Bonsoir. Et bonsoir les gens qui Bonsoir à arrivent sur le tous. stream. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Et on est sur Gartic Fun, on va pas le représenter. Vous commencez à comprendre le principe. Est-ce que dans le canal tout le monde va bien? C'est top Ouais. l'hip-hop. Si Si on j'ai te un dit écran non, tu fais QHS. quoi? Bon, on va se faire une séance de psy, je pense. D'accord. Alors, Mais toujours bonjour, je parle-moi de m'appelle pareil. Monsieur Vert. J'ai 31 ans et je vais pas bien. D'accord. Est-ce que tu as une bonne Bonjour, assurance? monsieur Vert. Tous fiers. En vrai, ça va, évidemment. Ok. Alors, pour cette première partie, juste pour se mettre dans le bain ou se remettre dans le bain, on fait une partie normale, tranquillement, pépère. Et pour le thème. Pas de thème, Pas de thème, juste thème normal à libre. neuf, hein, Vous pour se faites chauffer une, un peu. ouais, voilà, vous faites une belle proposition, une belle phrase. Pas juste Harry Potter, parce que bon, bah, dessiner Harry Potter sans action derrière, c'est pas très Non, intéressant. voilà, faut les crêpes qui vont avec. Voilà, faites au moins les crêpes, quoi. Oui. Donc, une belle phrase, avec un peu d'action dedans et thème libre. Donc, je vous laisse 5 secondes de réflexion et vous me dites si vous Oula. partez ou vous restez pour le 4 à la suite. Je bloque ces paroles. Fini. C'est mon Attends, dernier mais mot, du coup, il faut trouver une Jean-Pierre. phrase, mais quel enfer! N'importe la phrase, juste il faut une action dedans. Alors, je te préviens, je préviens aussi si non, du coup, il n'y a que toi qui as jamais joué, je crois, Marion. Ouais, je connais la théorie. Oui, mais c'est contre-intuitif que c'est pas toi qui vas dessiner la phrase que tu es en train de réfléchir. Oui. Ah non, je m'en fous, je sors une phrase, je sors une phrase. Non, mais en fait, En général, t'es content de pas la dessiner, hein. C'est ça. Oui, non, mais ça, c'est un détail. On 3, lance. 2. C'est parti. Action. Ma phrase de départ ne veut rien dire. Bon courage. Ouais, la même, hein. Ouais. Ça devrait aller. Je sais pas si je vous ai fait un Oh, il cadeau. n'y a pas assez de caractère. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Elle est Aïe, en train aïe. d'écrire un roman Coup à dur. propos là à côté. Allô? Bon, ça va sonner. Oui, allô? Ah. Pardon. Bah, Oula, oula, Ouf. Les gars, vous faites mince. pas de cadeaux. C'est drôle parce que les deux premiers mots sont les mêmes. Alors, pour les nouveaux, vous pouvez régler l'épaisseur de vos traits en bas. Vous avez deux options sur la droite, les couleurs à gauche. Et si vous cliquez sur le gros carré ou le gros rectangle de couleurs, vous avez accès à toute la palette et pas uniquement celle affichée. Mais les couleurs s'enregistrent pas. Ah, ça faisait longtemps, tiens. Bah une semaine quoi. Voilà. À peu près à vue de babouche. À quelques heures près. Plus ça, je vais le dire. Comment tu... Il y en a combien des lames? Il n'y en a que 3. Hein. Des? Des quoi? Non, je Des réfléchis. lames? Ah, tu as demandé ça. Peut-être. Je réfléchis à voix haute, alors c'est une bête idée. Après des lames, il y en a déjà une qui chante, c'est déjà suffisant, non? Je me suis trop appliquée sur Elle avait chanté quoi? Non, sur c'était mon pas dessin. c'était Hélène Segara. Il y a trop de gens qui t'aiment. Ouais, ça c'est Hélène Segara, oui. Tu ne vois pas. Ensuite. Faire quelque chose comme ça. Oh mince, déjà? Ça va trop vite.
Non, j'ai pas eu le temps. Fini. Bah, Là 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 quasi. là. Je tiens à préciser qu'il y a des gens qui sont quand même des psychopathes dans leurs phrases, hein. Trop Je dur. confirme. Il y a juste des gens qui ont des bonnes C'est inspirations. sûr. Ah, j'ai pas eu Oh, le temps de sinon. finir. Qu'est-ce qui... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est ça? Oh, je suis désolée, j'ai pas la ref. Ça peut être que ça, de toute manière. Ah, c'est qui? Ah merde. Ah moi Très j'ai pas bien. toute la phrase, je suis emmerdé. Ça va être compliqué. Ça termine avec épre. Oui, ep. Éprouvette. D'accord. Merci beaucoup. Attends, je crois qu'il faut faire une recherche parce que sinon je vais me passer pour une inculte encore. Pourquoi encore? Mais non. Oui, c'est bien ce que je pensais. Oh, c'est chiant, j'ai plus mon deuxième écran. Ah, je représente un truc pareil, Bien souvent, c'est comme ça. Ouais, c'est à peu près comme ça, ouais. Tac. Sauf que c'est pas là, ça. Je vais faire des... C'est horrible, hein. C'est moche, que c'est moche. Ah, c'est hyper chaud. Ah, c'était chaud de ouf, hein. C'est chaud, c'est chaud. Chaud les marrons, chaud. Comme ça. Désolé pour les clichés. C'est pas très très grave La ici. place des clichés. Je m'excuse auprès de tous les gallinacés. Vite. Pas très convaincant tout ça. Hein. Si encore ça voulait dire Ding, quelque ding, chose, ding. je veux dire. Oh là là. Ok, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Que c'est? J'ai dessiné des choses étranges depuis le début. Non, c'est Mais en fait, j'ai pas le son. Au Putain, secours! sérieux. Oh là 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 là. Ok, Vous êtes pourquoi pas? cinglés. Pourquoi pas? Mais je sais pas à quoi il C'est ressemble, moi. Attends. Tac. On va pas s'emmerder, hein. Quelqu'un qui a pas le temps de finir sa phrase ou ça manquait de lettres. Je sais pas si ça ressemble vraiment à ce que je dessinais, ça. Bienvenue au club. Est-ce que ça ressemble à quelque chose?
Voilà. Il a une tablette, ça devrait. Théoriquement. En vrai, suffit. La tablette suffit pas, hein, en général. Non, non, il y a aussi, ouais, il faut bien un peu de talent, mais voilà. Pas. Le talent, c'est accessoire, en fait. C'est voilà. Pas besoin de talent quand même. Oh là là, mon dieu. Ah, merde, c'est pas la bonne couleur. Ouais, non. Vous êtes sûr qu'il y a notre nom sur le quand oui. on révèle le dessin? Oui, oui. C'est dommage. Je c'est crains les représailles. C'est très bien au contraire. Crains des représailles carrément. Ah oui. D'accord. Merde. Oups. Oh mon dieu. Je m'excuse par avance auprès de toute la faune du chat. Au secours. J'avance les galinacées. Dormammu. Je t'excuse envers beaucoup de monde, je trouve. Oui, bah. Je peux pas avoir un truc plus évident à dessiner. Bah non. Oh merde. C'est... Bon, je pense qu'on est dans l'œuvre d'art là quand même. Picasso n'a qu'à bien se tenir. Ah, moi j'ai fait un équivalent de la voûte de la chapelle Sixtine, c'est magnifique. Oui, carrément, Sixtine. Wow, 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 wow. Oula. Hein? C'est en train J'espère de devenir... que c'est. J'espère que je suis pas trompé de pays. Ça devient n'importe nawak, je pense. Ah, il y a des blagues géoguessants en plus? Ah, y a... Je pense que tu as mon truc en dos et effectivement, il y a. Il y a un pays qui traîne. Ah! Juste que je ne sais pas trop de pays alors. Non mais. Oh, d'accord. Comment tu veux que je dessine voilà. ça sans déconner? C'est pas Franchement, d'accord. Franchement, ça part en cacahuète. Hein. C'est ça que c'est bon, comme on dit. Allez, je relève le défi, tant pis. Je suis un fou. Je pense que j'ai récupéré le tiers. Du coup, je me pose la question de c'est quoi le pays? C'est quoi le machin? Bah, maintenant, t'as une phrase là, du coup. Oui, oui, mais c'est un détail ça. Oh merde, on dirait pas du tout ce que je voulais dessiner. Relou, ça. Le retour des monsieur bâton. Ah. Je ne pas visé. Je vais mettre un peu de contexte, je pense. Il faut contextualiser, c'est primordial. Ctrl Z il fonctionne plus. Oh, ça dépend de son humeur. Il a jamais fonctionné. Ça. Tes souhaits. Tes souhaits. Merci. C'est bien. Normal. Non, on a un chien. Prends une pipe en bois. Hein. Une pipe en bois d'arbre, je dirais même. Et ben, c'est vachement, vachement pas lisible. Vachement, vachement pas lisible. Ah merde. Ah, oh, mais j'ai pas le temps de finir. Ah ouais, il manque un détail ici, mais c'est pas grave. Parce que moi, il est important, le détail. Pareil. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça peut être... Je pense qu'il y a beaucoup d'infos qui se sont perdues au fur et à mesure.
Je pense que c'est prévu. En réalité. C'est... Bon, par contre, j'ai fait le deux derniers dessins à la souris parce que ma tablette m'a encore lâché. Non, je mais c'est sur côté la tablette de toute manière. Regarde, moi je suis à la souris. Oh là, c'est fini déjà. J'espère que la, déjà, j'espère que la phrase est passée. Aïe aïe aïe. D'où Jésus. Maman, ah, on peut choisir maintenant si les albums sont montrés du début ou depuis la fin. Ah ouais, depuis la fin c'est cool. C'est de retrouver la phrase. Non, non, je pense que depuis le début c'est plus drôle. Pour voir la perte d'infos. Voilà. Ouais, c'est ça. Surtout quand t'as le petit moment de mais je l'ai pas eu celui-là. Oui, le fameux. Ouais. Mais attends, mais ça correspond pas du tout. Palpatine prend les pleins pouvoirs en Russie. Ah. D'accord. Ah, d'accord, c'est perdu. Hein. C'est perdu. Ah. Alors. Ça va. C'est Palpatine. C'était Voldemort ou Rasputin? C'est pas Palpatine le. Oui, mais là c'est pas le Poutine. Poutine Russie. J'ai pas eu le temps de le finir. Poutine vénérant le drapeau de son pays. Et pourquoi maintenant Gartic Fong lit les textes, ouais. Trop drôle. C'est une option ça. Non mais c'est tellement mieux que la voix. Désolé. Ah, mais comment tu dessines Poutine? C'est. Bah tu prends un chauve un peu musclé sur un ours, le drapeau russe derrière. Ouais. Bon, il y a la Russie qui est restée. La Russie est restée. Bien le seul ça. Truc en fait. Bah, le Poutine a tenu 3 tours. Un lampadaire vendant une motte de bain. Putain, c'était toi, Plax. C'était ça, d'accord. Alors jusque-là, tout va bien. Ouh, pas mal, pas mal. Et à un moment, ça tourne un mal. Un lampadaire vend du beurre. Oh, parce putain, que là, tout va bien. Parce que moi, je n'ai pas vu ça. Enfin, j'ai eu des concepts, mais pas tout. D'où ah, oui, ouais. C'est 2 euros. C'est du bon, beurre ça. Sur une table. Ah, 2 euros, j'avais pas vu. Ah, ouais. Ça fait cher le beurre. Ah, j'avoue, c'est pas mal comme ça dessiné. Putain, du lampadaire. Sous une lampe chauffante. C'est important, elle est chauffante. Ah, je sais pas, elle rayonne. Oh, ah, c'est beau. Du beurre en train de fondre sous une lampe à UV. Oh, bah, faut être un lumière. Et du beurre et de l'éclairage. Comment tu veux commencer avec ça, honnêtement? Trop bien, non, le dessin est très beau. Ah, ok, je veux. Okay, des chiffres et des lettres colorées. Ah, oh, putain, non. C'est toi qui m'as dit ça. C'est ça, du coup, qui. J'ai pas comment rentrer en plaisir, moi. Des chiffres et des lettres. Ah, ouais, là. Là, clairement, j'ai réfléchi pendant un moment et j'ai fait. Non. Ok. Imra. Des chiffres et des lettres. Point d'interrogation. Désolé, Stéphane. C'est Stéphane Romeshko. C'est Laurent Romeshko. Laurent Romeshko. Des chiffres et des lettres. Pourquoi il y a un bébé qui joue? Désolé, Laurent Romeshko. Ah, c'est pour ça. Wolverine, professeur de physique chimie. Oula. Oh la vache. Oh, il était trop dur, hein. C'était donc ça. Ah, il a pris cher dans l'argent. On dirait plus Edouard aux mains d'argent, là. Frankenstein et des épes. Ah. Des éprouvettes. Des éprouvettes. Ah, c'est dur, hein, dessiner Wolverine, hein. Hein? Alors, Frankenstein... La créature de Frankenstein n'est pas vert, de la chimie. Voilà. Ça dépend. La chimie. Ah, c'est resté. Oh, trop bien. Oui. Oh, putain, il est trop loin, en vrai. La créature du docteur Frankenstein fait de la chimie. Chimie. On note les gens qui disent la créature du docteur Frankenstein, ils veulent dire Frankenstein, tu vois, comme... Frankenstein, mais, parce que Frankenstein, c'est le docteur, c'est pas la créature. Hein. Non, mais je sais très bien, mais par raccourci, en général, tu me dis Frankenstein, surtout avec le peu de temps que t'as... Le peu de nombre de caractères aussi. Oui. Oui. Emmanuel Macron dans World of Warcraft. What? Je te déteste. C'était pas facile. Ah ouais. Je l'ai pas vu. Il y a eu des soucis. Il y a oh oui, Jake. Ah oui. Ah, joli. Non, mais regarde le suivant. Jake devient le président de la République. Quoi? Alors, s'il vous plaît, il me reste encore des cheveux. Ah, merci au Campo, c'est gentil. C'est beau. Un loup-garou et une mère. Ah, c'est pas n'importe quel loup-garou, il a même la chemise et tout. Bah là, le truc, c'est que... Ouais, voilà, que tu... Moi, j'ai eu un problème. Il y a eu un problème. L'écharpe de mer. Ah bah, toujours le thème de base quoi. Je me permets de sauvegarder parce que le loup-garou là quand même. La question française qui est restée peut-être. Ouais. La tête est en DLC. On est même revenu sur World of Warcraft avec le loup-garou. Et la chemise. C'est vrai. Et la chemise. Bah c'était son avatar Discord. Ah,
un lutin de Noël qui mange des papillotes. Ça s'est perdu. Ah oui, ça s'est perdu. Ah. Mais alors, j'ai pas eu ça. Bah non, ah oui, j'ai pas eu. Ah, ça s'est perdu complètement. C'est un lutin jonglant avec des emballages de bonbons. Okay. Ah, ok. C'est ma faute. Ouais. Je l'ai volé. On dirait Link qui joue avec qui les fées. Jongle avec des bonbons. J'avoue. Jongle avec des lutins. Il y avait le petit chapeau pointu. Oh, bien les balles. Un jongleur à 3 balles. Un jongleur qui jongle. Oui, c'est un peu redondant. Oui, voilà, c'est. Oui, oui, forcément. Un mec jongle à cirque. Le chapiteau de toute beauté, là, je tenais à vous le faire. Il était beau. Il est incroyable. Hein. Oui. Ouais. Il était beau. On s'y croirait. Hein. C'est une photo. Très élaboré. Une tomate pond un œuf. Oh, bon. Désolé. Oula. C'est ça. D'accord. C'était ça. On a déjà. Une tomate. Ah, mais j'oublie qu'on a les outils par contre pour faire les formes. Trop bien. Alors, je tiens à préciser que ça ferait peut-être plutôt plop que ploc, mais. Ouais, non, mais. Planter une graine de tomate. Ça dépend si tu tombes sur du dur ou pas en fait. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais. Pas mal. Un mec aime des tomates. Non, on voit l'expérience au Stardew Valley. En fait, on a toute une histoire. Oh, il est bien le dessin. J'ai plaqué. Ah oui, il sème des tomates, mais c'était pas dans ce sens-là que je voulais le dire, moi. Oui, non, mais. Toi, t'es à la tablette, par contre, non? Moi, non. Je suis la souris. D'accord. Ouais. Putain, un lutin violet sur une balançoire accrochée à du lilas. Oh putain, mais au compo. Je crois qu'on appelle ça, non? What? Oh là là. Bah, c'est l'image qui est à ma droite, un alors j'ai décrit. Un lutin rose qui fait de la balançoire. Du, moi. Parce que j'ai pas lu. J'ai pas eu le temps. Je sais même pas comment c'est parti. Hein. Sur une balance. Ah, c'est chaque fois qui oublie des lettres ou des mots en fait. C'est... Oh, il est trop cute. Oh, ah, c'est sur une balance, oui. Putain. Un renard pèse 5 kilogrammes. Balançoire, balance. Rim qui a eu un renard pèse 5 kilos. Ah oui, bah on montre un renard qui pèse 5 kilos. Un renard qui observe une plante piranha. Ah oui. Attends, c'était quoi la page? Un lutin violet. Ouais, c'est le but. Détail. Un poulet au téléphone rose. Ah oui, je l'ai vu, celui-là. C'est gardé, c'est bon. Ah ouais, c'est celui-là, il est pas mal, ouais. Une poulette discute au téléphone rose. On est plus sur du pigeon, quand même. Un poulet du téléphone rose. Un poule. Une poule, ouais. Peut-être un poule, oui. Allô. 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 Une poule qui répond au téléphone rose. Une poule fait du téléphone rose. Voilà, pour le coup, c'est conservé. Ah, il est resté, magnifique. Il est resté, ouais. On en a eu un. Incroyable. Nom d'un chien. Bon, comme je le disais tout à l'heure. On va faire une petite coup de pure pub de 20 secondes pour vous, chez vous, le stream. Donc 20 secondes de silence sur Discord. À dans 20 secondes. Ce stream n'est pas sponsorisé par la Bretagne. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur. Alors pour fêter ça, j'ai décidé de m'étaler comme une crêpe. C'est magnifique. Voilà. Mais du coup, c'est pas vrai, il n'y a pas de fausse pub. C'est la seule chose qu'il y a trouvé pour qu'on la ferme 5 minutes. Non, non, il y avait sur le stream, il y avait une vraie fausse pub. C'était une minute de silence pour. Et pourquoi on n'a pas le droit de la voir, nous? Je te la mets de suite sur Twitter. Elle était prête à être envoyée sur Twitter. Je la mets sur Twitter dans 20 secondes. Incroyable. Incroyable. Incrédible. Incredible. Là. C'était pour qui? Norfant VPN ou Red Shadow Legends? Non, c'était pour la Bretagne. Hein? Quoi? La Bretagne, c'est bien. De la pub. Cherche pas, tu peux pas tester. Plaque. Est-ce qu'on referait pas juste une petite session sans thème comme ça là pour souffler? Oui, bien sûr. Bien moi, sûr. J'ai pas d'idée moi sur le temps de réfléchir thèmes. Un peu. Ça fait beaucoup sans thème à trouver. Ouais. Non, mais là. Mais faut qu'on garde le thème chanson française pour la fin du stream. Ah oui. Ah oui. Oh là 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 là. C'est bon, j'ai trouvé. Je vais continuer à mettre des X-Men, apparemment ça marche bien.
Bah, c'est pas facile, moi. Donc là, c'est quoi? C'est thème libre toujours ou Ouais, bah, moi, thème libre, ouais. Vas-y. Allez, attention. Non, non, t'es pas obligé. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre? Ouais, compliqué. Alors. Là, ils vont me détester. Moi, je fais plus simple cette fois. C'est gentil. J'ai eu Jack président à dessiner, s'il te plaît. C'était pas le thème de base. Non, c'était pas ça le thème de base. C'était Emmanuel Macron sur World of Warcraft. Hein. Pas évident. Et ça a très mal tourné. J'ai beaucoup bugué sur les deux W quand même. Les Volkswagen, là. Hein, ouais, ouais, j'ai pensé à ça au départ. Je me suis dit, mais non, quand même. Puis après, j'ai pensé à Veid Ventures, là. Volkswagen. Ah, encore, il y aurait eu le W en jaune. Je vous déteste. Je vous hais. Je sais pas qui a eu cette idée, mais... Ok. Pourquoi c'est... Non. Aussi, si. Dur, dur. C'est un bébé. Non. Ça va pas. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et pourquoi? Qui est le tordu qui est... Ouais. Qui est le tordu? Je trouve ça court, tellement bien. Moi, je vous déteste, voilà. Enfin, je déteste celui qui m'a donné ce thème. Il n'y a pas de thème, en fait. Oui, enfin, la phrase. Non. Comment tu veux que je fasse ça? Voilà, déjà comme ça, on est déjà là. Je tiens à dire que j'ai un thème horrible. Apparemment, oui, tout le monde s'en plaint de son thème. Non, moi, j'adore. Moi, j'adore aussi. Il est vraiment très moi, cool. C'est chaud. Mais en vrai, mais ça va, moi aussi. Mais... pas forcément évident, mais c'est ok. On va faire un truc à l'arrache. Pas le temps. Oh zut! Oh stop! Et heureusement qu'il y a Google Images pour aider. Clairement. Oh, moi ça va, c'est niveau petite section. Voilà. Moi j'espère vraiment que l'info va rester jusqu'à la fin, j'espère. Je pense pas à moi. Alors, là, c'est impossible. Que je perds l'info immédiatement là, personne ne retrouve la phrase d'origine avec ce que j'ai fait. D'accord. Non plus. Non plus. Bon, déjà parce qu'il manque des infos et parce que. Putain, mais comment tu fais? Merde. Putain. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. L'œil est super bien fait. Après, je sais pas ce que c'est, mais l'œil est bien fait. Les mecs, ils ont trop vu le film Inception. Je vais dire ça, mais c'est juste en mode premier degré, parce que là... D'accord. Hein? Oh. Ah ouais, mais... C'est trop dur à dessiner, ça. Qu'est-ce ah, mais, que mais c'est... Ça, c'est... On va faire quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Trop dur à dessiner. On fait un truc dessinable, c'est bien. Ça me change. On va faire un truc comme
pour ça. Qui a l'idée du graphisme initial, franchement? Vous pouvez penser au pitchoulard. Parfois, tu ne veux pas savoir. Elle le saura quand même, à la fin. Elle le saura quand même. Ah non, mais je parle de... Trop dur, hein. De celui qui a fait naître le personnage que je suis en train de dessiner. Jamais vous allez trouver, cette idée est trop saugrenue. Saugrenue, j'ai dit le terme, c'est incroyable. Bravo. Ouais, c'est pas le terme que tu utilises tous les jours. C'est le seul terme qui me venait en voyant cette phrase. C'est peut-être sous-côté, je sais pas. Ah, peut-être. Bon. Hein. Et bah là. Je sais pas si ça. Ouais. Faire quelque chose comme ça. Peut-être lui faire des mains. C'est. J'ai mal là. Et ben y a pas que toi. J'ai mal du talent que je n'ai pas. Oh, si tu voyais le mien, enfin, tu verras. Hein. Ça va pas. Non, ça va pas, non. Ah, c'est catastrophique. Hein. Là, pour le coup, hein, j'ai aucune confiance. Hein. Ah, moi c'est pas garanti non plus. Ah, hein. Oh, on va peut-être. Rien. Non, j'ai pas le temps de finir. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Aussi la même chose. C'est quoi ce... Oh putain, c'est-à-dire c'est ça? Non. Alors si ça peut vous rassurer, on est que à la moitié du thème. Ah. Oh la vache. Le meilleur ou le pire est à venir. Bon, oh, le pire. Non mais sur la fin en fait, comme il y a plein d'infos en moins, en général ça va. Mais... Quoi? Mais vous fumez des choses ou... Mais vous fumez monsieur. Bon, maintenant... Ah oui mais clairement... Elle... Waouh, là il y a du produit de qualité, hein. Là, aucun doute. Oui, oui, oui. Ah, mais c'est bien, ça fait perfectionner le dessin. On s'entraîne sur des trucs qu'on n'a pas l'habitude. Ah ouais, mais là... On n'a pas l'habitude du tout, là. Puis alors, comme il n'y a pas de thème, c'est pas facile. Ouais, même quand il y en a un, c'est pas facile. Ça, pourquoi il marche plus, CTRL-Z? Ah, la flèche. On l'a dit tout à l'heure. La flèche. En bas à gauche du tableau. Derrière la flèche. Bah oui, oui. Voilà. Il y a un zoo là-bas. Pardon. La dernière fois que j'ai fait ça, ça a mal fini. Mais maintenant qu'il y a une voix qui lit, il y a peut-être des thèmes qu'on peut plus aborder. Bah de base, le stream n'a jamais été Peggy 18, de toute façon. Enfin, les streams. C'est pas faux. Oh, j'ai vu des gens qui jouaient en stream, il y a eu des trucs horribles à dessiner, mais vraiment, pour le coup, fallait mettre un Peggy 18. Hein. Oh, ouais, j'en ai fait des trucs Peggy 18 aussi avec ma guilde. À la fin, il y a eu un tracteur qui avait une bite et qui écrasait un cochon. Donc, Ah. À ce point-là, oui. Bah, j'ai vu passer... C'est une familiale. On aurait menti. J'ai vu passer sur un live un truc qui est devenu à un moment un plan à trois avec une personne pas très consentante. Ah oui, d'accord. Ouais, ça craint, oui, par c'est limite. Ouais, Je suis désolé pour mon dessin, vraiment. Pas fier. Ah
Ok, d'accord. Mais alors la personne qui a dessiné ça, alors en termes artistiques, bravo, franchement, c'est magnifique. Je sais pas si c'est mon dessin, pas du tout. Non, Imra, je sais que c'est pas toi ça. C'est pas le mien. ça me ressemble, Jake, non? Non, non. Ah. Possiblement pas du coup. J'ai l'impression d'être drogué sur toutes mes phrases. Ouais, j'ai du mal à écrire les phrases tellement ça me perturbe, moi, ce que je vois. Sorti du contexte, les phrases, je crois que je me fais interner. J'espère ouais, que c'est ça que j'ai trouvé parce que. Quoi? Mais sérieux. What? Ça n'a aucun sens. Oh là là. Ok. Putain, ouais, mais... Moi j'ai comment... eu un truc méta quand même. Hein. Ah non, mais moi c'est... T'as pas idée de ce que j'ai eu, moi. T'as pas idée de ce que j'ai eu. Celui qui m'a. Non. Je... Traumatisé. On sent le traumatisme. Ouais, c'est on sent le bug. Ça, en fait. Moi, ce que je décide, c'est à double sens, franchement. C'est plus ou moins la réaction que j'ai eue. Là. Ok, là, pour coup, hein. Je m'excuse d'avance. Tout le monde s'excuse en ce moment. Parce que même moi, j'y crois pas à ce que je dessine et, ça... et je pense à l'autre chose dégueulasse. Oh, vous avez vraiment l'esprit mal placé, les mecs. Ah non, bah, tu vas voir, c'est pas mal placé. C'est vraiment ça. J'ai pas enculé le mec, quoi. Oh, va te coucher, toi. Hop, oh, je l'ai trouvé. Ça veut rien dire. Trois capillaires tractés. Oups. Hop là, j'ai fini. Déjà ? J'aimerais pouvoir en dire autant. Ouais, ça va, le mien t'es pas dur en fait. Bah, plus ça va, plus on a le temps de dessiner, je trouve. Mmh. Je sais pas. On l'a déjà fait celui-là en plus. Je cherche comment je pourrais arranger mon truc. C'est inarrangeable hein, de mon côté, hein, c'est pas bon. Merde. C'est vrai que c'est pas... Peut-être un peu plus crédible. Pourquoi ça... Oh là là. Putain. Oh là là. Ouais, d'accord. Je sais pas ce que c'est. Désolé. Wouhou. J'espère que c'est ça. Ouais, ouais. Je sais pas, c'est bizarre. À moins que... Il y en a quand même qui dessinent super bien. Trop dur. Alors. Ok, ça va être chaud. Moins douloureuse quand même, non? De quoi? Alors. Des gens sur Discord jouent à l'Arctic Faun. Oh, oh putain! Je te déteste, aïe aïe aïe! Putain! C'est non, mais t'as qu'à écrire Gartic Phone en plein milieu! Alors, j'avoue, c'est impossible. Alors que là, regarde, y'a pas de texte! Bien! T'as un écran rouge, toi? Tableau d'école avec dessin ping-pong! Oh! C'était perdu! D'accord. Mais sur le moment, j'avais un fond rouge. Ping-pong avec la personne de droite qui gagne! Putain, mais c'est trop détaillé ça! Personne de droite qui gagne. Oh merde. Pong. Oh non. J'ai fait la couronne et tout. Bah c'est pas Pong. Ça l'était pas. Le personnage de droite qui gagne, Pong. C'est important. Oh excuse-moi. Un coup Pong le jouant du trombone. Ah bah le trombone il était perdu. Voilà. Il s'est transformé. Désolé. Parce que c'est pas un trombone ça.
Un c'est quoi le fait de la trompette. Ah, peut-être pas. Ah ouais. Oh, ça c'est une clarinette. Non. Un coupe-langue joue du hautbois. On va faire tout l'orchestre. Excuse-moi, hein. Un hautbois. Alors, je suis désolé, c'est moi. C'est moi qui l'a ruiné celui-là. Ah oui. Ah oui, le coupon tu l'as pas. Quoi. Ah non, je n'avais pas joué le coupon. Là. Bon, c'est mignon. Okay. Une femme qui joue du pipeau. C'est une femme qui joue du pipeau. Non, ce qui est bien, c'est qu'on aurait eu toute une course de livre. Ah ouais, elle apprend la musique classique avec la femme. En spectacle en 2020. Je suis désolé pour celui-là. Ma oh putain. Alors ça, je sais pas du tout. Voilà. Je l'ai pas eu. Ah ben voilà. Et oui, forcément. Ah mais il y en avait un qui était noir. Bah oui. Comment tu, à part ça, comment est-ce que tu arrives à reconnaître des visuellement les inconnus? Se tape un fou rire. C'est trop chaud. Un gros, hein. Un deux blancs, deux blancs, deux blancs. Oui, mais on n'est pas là pour écrire des trucs, on est là pour. Non, mais oh, le mobile. Comment t'as trouvé le Lego? Lego, pardon. Tu gères pas ton temps, toi. Tu gères pas ton temps. Ok. C'est des inconnus au Lego quand même. J'aime bien. Spider-Man se fait vacciner. Yes. Ah, le Spider-Man est resté jusqu'à la fin. Oui. Par il contre, a bien mangé. Se fait vacciner après. Spider-Man se fait vacciner. Très joli. Eh, jusqu'à tout va bien. Spider-Man s'injecte un vaccin. Alors peut-être. Et... Là, c'est bon. Wow, j'ai pas compris la phrase. Un marqueur dessinant Spider-Man. Oh, punaise. Ah, okay. Eh ouais, bah ouais, forcément. Désolé. C'est pas faux. Un marqueur dessine Spider-Man sur un bloc-notes. Ça, c'était pas mal. Hein. C'est dommage que t'as pas le temps de finir la seringue. On a pas mal, on a l'objet plus ou moins long. Tarzan qui joue au rugby avec un ballon banane. Je te déteste. Ah, oula. Je suis pas désolé. Ah ouais. Tarzan se balance joli, avec une banane. Ouais, t'as vu. Heureusement que c'est... Ouais, j'allais dire un truc. Tarzan se balance de liane en liane. On a perdu la banane. Oh, la banane est perdue. Oh là là, incroyable. Tarzan à la liane. La phrase est de plus en plus courte. Ça va finir plus par... Plus ça va et moins Tarzan. Ça va. Tarzan se balançant sur une liane. J'ai rallongé un peu. Bon, on a trouvé on a jamais version, eu le rugby du coup. Non, le rugby non, est parti. C'est vrai. Mais impossible. Il a perdu le ballon entre deux liens. Un lianes, caillou triste veut devenir une pastèque. Ah, c'était un caillou. Ah, c'était un caillou. Ah, c'est parti. C'est un peu dérivé. Ouais, c'est vrai. De devenir ah, c'est une bonne idée de dessiner la pastèque comme ça. On peut voir d'ailleurs que j'ai changé la façon de faire la pastèque. Une c'est une grosse graine par rapport à l'herbe pastèque. Quand même. Alors, j'indique, j'ai pas eu de pastèque, moi. Ah, c'est un oignon. C'est un oignon, ça. Une plaque de vomi rêve d'un... Oh oh, je déteste, mon vieux, parce ça que là... Ça ressemble pas à une graine, je suis désolé. De la mais du coup, une graine, rapport avec ou la terre. Sauce verte. On passe ah, une citrouille. De la citrouille grillée sur une sauce verte. Bah ouais. Comment le vomi peut devenir de la citrouille grillée sur une sauce verte? Les poupées gigognent Totoro. Oh non, ouais. C'est perdu. Oh, c'est ouais, mais j'ai... Ouais. Ah bah j'ai même pas la... C'est quoi une poupée gigogne? C'est une poupée russe qui s'emboîte les... Totoro. Qui ah. S'emboîte les unes dans les autres. Ah, c'est perdu là. C'est perdu là. En fait, c'est... Les poupées russes japonaises. Pourquoi t'as mis le drapeau du jeu? Ah oui. Parce que bon, ça ressemblait pas trop à Totoro. Désolé. Poupée Matryoshka au Japon. Désolé, mais Mitsuko, il retourne dans le patin, s'il vous plaît. Putain, j'ai pas cette désolé pour toi. Là. C'est quoi ça? Un homme qui est en plus des champions mais... au Japon. Ah Rime. Quoi? Non, je suis d'accord avec... Je disais, je suis d'ailleurs avec quelqu'un avec Monsieur Green. Ça y ressemble. Quoi? Ceci est le passé Peggy 18. C'est ouais, ça. Je veux dire, ça ressemblait à un homme. Un éléphant vert oui. Mange une tablette de chocolat. Ah, c'était donc ça. C'est ce qu'il met vert en plus. C'est ce qu'il m'a dit, oh, putain, mais j'y arrivais pas. Un éléphant mange du chocolat. Vert. On rappelle que le chocolat est pas bon pour les animaux. Oh, il est bon. Oh, oh bien. Putain, c'est quasiment le mien, un mais en mieux. Un éléphant mange du chocolat.
Elephant. Ouais, parce qu'il n'y a pas l'accent. J'adore son accent, la voix. C'est un québécois par moment. Un éléphant mange du chocolat. Du chocolat. Voilà. Et si tu mets un point d'interrogation, il y a l'intonation de la question. Oui. Je comprends mieux maintenant, mais j'avais pas du tout. Hein. Mais quoi? Quoi? Mais un cadavre. Il est où le bélier? Il est où le cadavre? Il est où le cadavre? Vous avez tout donné sur la dernière, les gars. C'est quoi le truc à gauche? C'est quoi le truc à gauche? Moi, j'ai pas vu que c'était une tablette du chocolat. Ah bah c'est un cadavre dans un sac de couchage. Mais pourquoi tu vois que c'est... Mais ça se voit que c'est un éléphant quand même. Mais il a cru que c'était les yeux qui étaient en croix. Moi, c'était un bélier. Je sais pas. Alors, il n'y a pas que les streamers du The Event qui ont besoin de faire une visite au zoo, apparemment. Ouais. Gilbert Montagnier conduit une voiture. Mais c'est perdu. Ça n'était pas équivoque. Gilbert Montagnier. Ah, c'était ça. Ah, c'est Jack, tu l'as eu. C'est mon souhait. Michel Drucker conduisant une berline sur la plage. Michel Drucker. Ah. Oh, y a. Oula. Ah, il y a le chien. Et oui, c'est pas un chien. Dans la bulle, je l'ai marqué vivement dimanche prochain. C'était pas un chien, c'était un cycliste. Il manque des roues à la fin. Oh, les taxis portent des vélos. Ah. Je crois que vous êtes choqués. Deux vélos prennent un taxi. Je crois qu'on est vilainement choqués. Ouais, pas loin au final. Hein. Alors, je tiens à dire quelque chose. Au final, vas-y. Je ne monte pas sur des vélos comme ça, Imra, s'il te plaît. C'est franchement. Comment quoi? Bah, il n'y a pas de cadre. Et c'est selle... des drones. Mais c'est incroyable le vélo, arrête! J'ai même fait les rayons! Oui, alors il n'y a pas de cadre et la selle elle est au niveau du porte-bagages arrière. C'est un peu problématique. Il n'y a pas de pédale non plus. C'est si t'as eu le droit. Ça, c'est du détail. Ah, tu me diras, j'ai tout mis dans le taxi. Hein. Des béliers, hein. Il a dépensé sans compter. Et j'ai tout mis dans le taxi, hein. Je suis désolé. Oh, putain, hein. J'ai peinture pour le reste. Hein. Au secours, j'étais pas prêt hein, sur les derniers. Je pense que personne me l'est. Est-ce que vous voulez tenter le mode secret là? Oui. On peut essayer, oui, on verra ce que c'est. Ouais, les actions sont un mystère. Par contre, je quitte et reviens dans la partie. Vas-y. Pour le coup, c'est ça. C'est ça, casse-toi. Ouais. En fait, il te montre vite fait la phrase et après, elle n'apparaît plus. Peut-être. Donc, si tu oublies, bah, t'oublies. Ah bon? Je pense que c'est non, comme ça qu'on le voit. Je sais pas, on peut tester, mais j'ai un peu peur du mode. Hein. Alors, ceux qui ont envie d'aller aux toilettes, c'est maintenant. Oui. Ah bah alors, attends. 3, 2, 1, partez! Je vais boire un coup en fait. C'est très surcoté les pauses bio. Non, parce qu'en fait, j'ai un truc peux bizarre avec la tablette, c'est que je ne vois plus le pointeur, mais uniquement sur le cadre du coup. Problématique en effet. Moi, ma tablette, elle veut pas marcher, donc je suis à la souris. Mais c'est très con parce qu'en plus, avec la tablette, je peux faire l'effet souris, je peux bouger, enfin, je peux voir mon pointeur, mais il disparaît sur le cadre. C'est le seul endroit où j'en ai besoin. C'est ballot, Madame Chambier. C'est pas facile pour faire des trucs précis si tu vois pas le point où est-ce que si tu vois pas où est-ce que t'es. Hein. C'est pas faux. Une tablette, une bonne tablette quoi. Ah, c'est une tablette pas très chère. Bah si tu veux, moi ma tablette elle est grise et c'est tout. Bah, moi, elle est d'une marque chinoise et c'est tout. Est-ce que tout le monde est heureux? Ah mais vous utilisez une tablette de dessin vous carrément. Ah, oui, ah non mais moi elle marche pas, je suis à la souris. Ah, moi, c'est une tablette Android, quoi. Ah non, moi, c'est une tablette de dessin. Une vraie tablette de dessin. Non. Et même avec ça, c'est pas suffisant. Bah, t'imagines si j'avais une tablette de dessin tout court, moi, l'état de mes dessins. Tout le monde est bon? Et encore. Non. Les absents, levez la main. Mon voisin est pas là. Quand c'est que à la souris, c'est encore pire, moi. Oh, t'inquiète, hein, moi, tu me mets n'importe quoi dans les pattes, ce sera pareil. Hein. Fais gaffe parce que les poupées gigognes qui à la base devaient être innocentes sont devenues des trucs bizarres. C'est moi le truc bizarre, je m'en excuse. Le coup, c'est pas moi. Au début, j'avais marqué poupée russe, mais je me suis dit que c'était un peu raciste, alors du coup, j'ai mis gigogne. C'est pas spécifiquement raciste. Non, ça fait partie de leur patrimoine. Hein. Non, mais je me suis dit que ça allait finir en. Ah oui, parce que. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il y a le mot, il y a un truc russe, ça finit avec des mecs bourrés, avec de la vodka et des drapeaux russes. Donc, sur le premier round, on a eu un russe, il n'a pas fini bourré, hein. Il a fini avec une chapka, ça va. Ok. Bah, il faisait un salut. Il fallait mettre le drapeau, du salut devant le drapeau. Allez, attention, russe, réfléchissez 5 secondes à votre thème, je ne sais pas comment ça va se passer là pour le mode secret. Oui.
On peut mettre un thème ou pas? Alors, on va tester le secret sans thème, parce que sinon on risque de se faire surprendre. Oui, je pense que oui, il vaut mieux y aller. Je trouve que c'est plus simple, les thèmes. Bah, oui. ça te donne une orientation, en fait. De... Bah ouais. D'accord. Bon, sans thème, alors. Ah, oh, oh. Je suis incapable, moi. Afficher les identifiants enregistrés. On peut pas corriger les fautes d'orthographe, là. Hein. Ah bah non, c'est la merde, là. C'est terrible. Le dessin, c'est pareil. Ils mettent des petits points où il y a des trucs. Bordel. Ça va être chaud, là. Hein. Ça veut dire qu'en fait, ça se trouve, il n'y aura jamais de phrase et on va enchaîner dessin à dessin. Quel enfer. Okay. Ah, on va pas voir ce qu'on dessine là, c'est ça hein. On voit ce que... Une tomate, on fait ça. Oui, d'accord, ça disparaît. Oh. Ok, on va y arriver. Mais est-ce que le CTRL-Z il marche là-dessus? Aucune idée. Bon courage, oui, si tu veux gommer. Il fonctionne. D'accord. Ça va quelle horreur. Aucun sens. Eh mais attends. Eh mais les couleurs, c'est tout gris. Tout gris, d'accord. Putain, j'ai pas la référence. Bah, je sais pas, je dessine qu'en gris, moi, donc... Non, d'un chien, ça promet d'être... Ouais, c'est trop dur. Faut faire des phrases plus courtes. Et plus simples. Je pense qu'on le fera qu'une fois, celui-là. Ouais, parce que là... Je vais dessiner un bonhomme, hein, mais celui qui reconnaît ce que c'est, bravo. Alors là... Ah ouais, là, mais là, c'est... Alors je sais pas, comme le fond est noir, et qu'est-ce que ça va revenir en blanc à la fin, je sais pas trop. Ah là, faut pas mettre le pot de peinture, les gars, parce que s'il y a une fuite, vous le verrez pas. Ouais. Je pense que tout sera révélé à la fin, en fait. Oh. Oui. Jamais testé ce truc-là, mais non d'un chien. Je vais te dessiner ça. Ouais, je vais mettre par-dessus. Hein. On va supposer que les cheveux sont au bon endroit. Hein. Oh, faut une excellente mémoire visuelle pour ce truc, c'est incroyable. C'est ça. On peut écrire du coup, pour un peu ou pas? Je vais écrire le texte que j'ai en haut. Peut-être que je vais réussir à le faire deviner. Non, une réplique. Le plus facile à dessiner, c'est le logo Gartic Phone, en fait. Ouais. Car passé... Ouais, il me déconcentre. Bah, ça aide. Ah non, il me déconcentre. Moi, il m'aide, il me donne des repères, en fait. C'est ça. Mais quelle horreur. Si au moins on pouvait voir son dessin avant que ça change, ce serait drôle. Non, c'est... Et du coup, est-ce qu'on le voit bien le suivant ou pas? Je sais pas. Je sais pas. À mon avis, non. C'est juste pour vraiment pour deviner ce qu'il faut. À mon avis, on verra rien non plus. C'est hard ce mode. Ah, même s'il le met en blanc là, bon courage, hein, parce que. Ça. Ceux qu'on a dessiné en blanc, désolé. Hein. Okay. Dans le doute, moi, j'ai dessiné en couleur. Oui. Dans le doute, ça évite les problèmes. En blanc. Ah, tout est blanc. Oh, d'accord. Putain. Magnifique dessin à l'aveugle, bien sûr. Pas mal, celui-là. Putain, comment il s'appelle? Moi, tout est blanc, d'accord. C'est... Ouais. Bah, du coup, il me propose toujours d'enregistrer le mot de passe, Firefox. Oui, moi aussi, il aime pas du tout. Ah, ça, c'est relou, ça. J'avoue. C'est des champs de mots de passe qui sont utilisés. De pas enregistrer. Moi, elle comprend pas, la tablette. Hein. En vrai, c'est à moitié drôle. Ah, oh, c'est chiant, le mot de passe, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Impossible. Tu comprends pas ce qu'il y a écrit. Non. Vous connaissez mes talents de dessin, quand même. Vous cherchez, là, les problèmes. Non. C'est quoi, ce... Non. Ça va pas être possible. Comment tu veux faire ça? Je veux dire... Je sais pas si... C'est tellement difficile. Non, reste là, le trait, j'ai besoin de toi. Oh, merde. Bon, pire. Pas du tout, je suis dans le truc. Pas du tout, je suis... Non plus.
Oi, oi, oi. Je fais vite et succinct parce que sinon je. Ah, pareil, là je. C'est impossible. Je suis désolé hein, pour le prochain. Bah. Mais je tiens à préciser, à dire bravo à la personne qui, au premier tour, a réussi à dessiner un drapeau à l'aveugle. Ah, ça doit être moi. Si en plus c'est le drapeau du Brésil. Non, mais c'est pas un drapeau à c'est pas un drapeau à trois mains. Un drapeau européen. Oui. Oui, ok. Et j'ai réussi à le reconnaître. C'est donc bon signe. Moi, je dessine sur mon genou, comme ça, je vois. Parce que c'est... Je sais pas... Je pense que ça va être... Ah, mais c'est ça ce que je vais faire. Je vais mettre une feuille et un crayon par-dessus la tablette. Je suis pas sûr qu'elle détecte. Je pense pas non plus. Non, faut que tu mettes un crayon collé... attaché à ton stylet. Ouais, un crayon collé au stylet, ouais. Avec un élastique. Poches. Comme on recopiait avant les punitions au collège. Oh là là. Jamais fait ça, moi. Jamais été puni. Les punitions au collège, quoi ? Bah, tu collais les stylos entre eux pour copier 4 lignes à la fois. Non. Ah, ouais. Ah ouais, j'ai jamais fait ça. Ça n'a jamais marché, ce truc-là. Ouais, parce que le quatrième crayon, il fait plus des lettres, hein, il fait des traits à ce niveau-là. Et puis l'écart des lignes n'est pas l'écart des crayons. Ça marche dans Tom Tom et Nana, mais pas dans la réalité. Ah bon, voilà. Ça, alors... Alors, comment dire? Moi, j'ai plus des... Ah, comment il s'appelle? Je sais pas ce que c'est. Comment je il sais s'appelle? Pas comment vous êtes à comment il s'appelle, vous, parce que. J'ai 6 traits marrons et un trait noir. Voilà. C'est un début. Ça pourrait être tellement de choses. Ah merde, c'est moi. Mais je pense que les proportions ou les positions doivent pas être très évidentes. Je vais essayer un truc. Merde. Zut alors. Là où c'est chaud, c'est que même si t'as pas assez de caractère, ben tu le vois pas en fait. Si ton mot il continue pas. Oui. Okay. Mais non, mais les gars. Ah, mais c'est prêt. Non, mais. Qu'est-ce que. Oh. J'ai essayé. Ok. Désolé, Rimpo. T'as le mien. Comment ça, j'ai le tien. Celui que je viens d'écrire. Comment tu sais? Ce que j'ai vu. Mais pourquoi? Bah, j'ai pas fait gaffe. Bon, alors on va supposer que c'est un truc comme ça. Oh mon d'un chien. Il va falloir aller vite. On est prêt. Chaud. Trop chaud, Samir. Je sais pas si ça okay. peut être. Ça devrait pas être ça. Mais, oh là. Je sais pas quoi dessiner de plus en fait dans ce cas-là quoi. Mais en fait ouais le temps pour dessiner il est presque trop long parce que bah, ouais. Vu que tu vois plus ce que t'as fait, bah tu vas au plus simple, tu fais succinct et c'est bah, ça. En fait en 15 secondes le dessin il est fini quoi. C'est ça. J'ai terminé aussi là. Bah, si tout le monde finit. Si tout le monde met terminé, on passe à la suite. Hein. Ah, c'est vrai qu'on peut faire ça. Incroyable. C'est la folie! Et là, il y en a un qui s'applique. C'est ça. C'est non, je veux que ça jusqu'au bout. Oh là. Ah, D'accord. Au secours, bordel. Et du coup, je sais même pas s'il y a assez de lettres ou pas. Non, c'est pas. C'est surprise. Price. Hein ? Okay. J'aime bien les noms de la phrase que je viens d'avoir. Désolé. La phrase là a dû beaucoup diminuer. Comment tu veux que je dessine ça, moi ? Allez, on va s'appliquer. Hop. 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 Ah non, la peinture. Hop. Je suis perdu. Fini. Moi aussi. Aidez-moi, c'est toujours. À droite.
Là, c'est torcher le truc pour s'en débarrasser, non, vraiment. Je suis pas sûr du résultat. En fait, c'est un concept sympa, mais ça en est même plus drôle au bout d'un moment. C'est ça. Disons. Ouais, parce que c'est trop dur, en fait. Bah, en vrai, le temps, enfin, ça s'effacerait juste un peu moins vite, ça pourrait aller. Ouais, c'est ça. Et puis on aurait su exactement ce que c'était, on aurait peut-être fait des phrases différentes au départ. Oui. Ah oui, oui. C'est vrai. Hey, salut toi. Mon chacha. Alors moi, franchement, c'est limite une insulte d'avoir une minute trente pour le truc que je venais d'avoir. D'accord. D'accord. Ah, c'est peut-être ça. Ça va être extrêmement douloureux à regarder. De toute façon, c'est la fin. C'est la dernière. C'est bon. C'est ça, heureusement. J'ai trouvé ça interminable. Oui. Ah ouais, j'avoue, c'était interminable. C'est pas celui-là, hein, on n'est pas obligé. Plus jamais ça. On va le faire vite. Allez, peut-être qu'on aura un le tirage du loto. Ah. Hein. Ok. Bien. Je me suis dit qu'elle est boule à boule de loterie. Super, pas boule. La houle 21 sort au bingo. La houle. La houle. La houle. Bingo. Ah oui, merde, j'ai écrit en blanc. Une boule de bingo. Ah bah oui, ça marche moins bien. Ah, et du coup, oui, on perd des infos là. C'est joli. Une bon boule endroit. De billard. Ah bah non, c'est pas joli en fait. Ah ouais, alors... avec le rond blanc. Ouais. Aïe aïe aïe. C'est la chute du jeu français. Tout. Oh là là, incroyable. Terrible, terrible. Une tomate jonglant avec les pieds. Ah d'accord. Ça s'est gardé un petit peu au début. Quand même. Dans je le crois que la tomate est restée quand même. Je crois. Une tomate oui, la tomate au est restée. Ouais, c'est pas resté longtemps là, par contre, le jonglage. Oh, ah, pas putain. Mal. Ah putain. Oh là là. C'était une cage de foot à la fin. Ah oui, c'était une cage de foot à la fin, mais j'ai fait comme j'ai pu. Bon, jusqu'à ça va. Mais attention, ce n'est pas un magasin. Tomate but. Qui marque un but. Okay. Ah oui, tu comprends. Je te comprends. Une tomate devant une grille. Devant une grille. Point d'interrogation. Interrogation. J'ai pas compris que c'était un ballon et une cage de. Ouais, un dentiste aveugle. Oh putain, c'est perdu, ça c'est sûr. Alors là, ça c'est dans le thème. Oui. Hein. D'accord. Un dentiste aveugle. Oh. Incroyable. Là c'est moi là. Le massacre. Ah putain c'est ça. Ah, un binoclard qui observe sous une lampe. Voilà. Ah putain j'avais pas vu, j'avais raté un mot. Ah, t'avais raté le... Un homme à lunettes regarde une lampe. Ah tu fais une faute. Ah, c'est Bart quoi. Oh GG le gars. Oh là là. Un mec s'extasie devant une lampe allumée. Ouais. Effectivement, il sourit un peu trop. Bah, on sent la joie là. Une tour Eiffel gonflable. Oh, sérieux. Ah. J'ai pas vu celle-là. Ah, putain. Jamais... Ah, je sais ce que c'est. Okay. Okay. Un désolé. À l'équerre. Ouais. Ah, ça non plus, je l'ai pas eu. Ah mince. Ah putain. Ah oui. La consigne est. Ah, ah oui, je l'ai dit. Ah oui. Ça, c'est machin bien. Et truc emmène l'anneau dans le volcan. Ça va, c'est on bien, sait qui c'est. Machin et truc. Un volcan en éruption. Mais non, Plaz. Il y avait l'anneau. Même moi, j'ai jamais vu le film sur les anneaux, mais j'ai compris. Sure. Oui, non, mais là, pour le coup, mais ça sert à rien, il y avait l'anneau. C'était pas du tout la phrase de départ, ça. Ça sert à rien de garder les infos, un même grec les fausses. Qui mange un grec. Oh punaise. Ah. Non, ça va, c'est pas trop mal gardé. Bah, ouais. Un GG de drapeau. Un mec mange un kebab. Kebab. Ouais. Mais du coup, il était pas trop dégueu, mon manger un sandwich. Ah, ça s'est un peu simplifié, ah, le message. Mais putain, le drapeau grec est aveugle. Ouais, j'avoue que je suis un peu fier. T'as de la chance, il y a très peu de drapeaux avec juste ces couleurs-là. Oui.
Une homme mange un hot dog. Alors en vrai j'ai triché, j'ai même cherché. Aïe aïe aïe. Une room. T'inquiète, hein, moi j'ai cherché à quoi ressemble Pamela Anderson fait du ski. C'était Pamela Anderson. Désolé. Bah, je sais même pas où j'ai visé, hein, je vais te dire. Ah oui, je vois. Ah, il a Turner en tutu rose sur la plage. Sur la plage, c'est bleu. Oh, j'ai vu la plage. Une baignée sur la plage de Tahiti. Oh non. Aïe aïe aïe, la navigation. Ah, oh, c'est beau après, par contre, c'est joli. Une veinée à Tahiti. Le mot veinée a réussi à rester quand même. Oui. J'avoue. Qu'est-ce que Tahiti ni la plage. Une veinée. C'est pas la rose. Magnifique. On note la robe de la veinée qui est pas du tout en face du corps. Elle a eu du mal à s'habiller. Le jeu sport. Oh putain. Oh. Ah non mais. C'était très dur. Je sais même pas ce que ah, c'était donc ça l'écran blanc que j'ai eu. Non, j'ai dû faire avec la gomme. C'était donc toi. Ah merde, tu l'as mis à fond gris pourtant, pourquoi il est pas bon resté. Ah oh, putain, il est cryptique celui-là quand même. Hein. Oui, bon, il fait des muscles. Un moustachu bonhomme avec des abdos. Comment de rien vous êtes arrivé à quelque chose. J'avoue, c'est ça le truc. Non, mais c'est... Un mec costaud moustache. Ah, les moustaques, attention. Les moustaques. Je sais plus où j'en étais à la fin. Perceval dans un ascenseur. Ça, c'est oui, perdu. Ah, ouais. Perceval est resté. Oui. Ah, je l'avais pas compris, moi. Perceval à la taverne. Je sais pas ce que j'ai mis. À la taverne. C'est pas faux. Perceval dans Camelot à la taverne. À la taverne. Oh, le vieux logo M6. Le vieux logo émission sur M6. Ouais. Oh, putain. Et voilà. Ah, c'était ça. M6. Regardez M6, j'ai pas compris. J'aime beaucoup l'honnêteté des fois. Gérard Depardieu à Koh-Lanta. Bon, lui, franchement, je te déteste, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, d'accord. Ah, c'est mmh. Pas vu non plus. Hein. C'est compliqué. Hein. Un vieux passe une vitesse dans sa voiture. Oh. Honnêtement, je voyais pas Koh Lanta, moi. Les cheveux. Un conducteur de voiture. Ah, vous voyez. Ah, ça a changé. Hein. Un homme sur le toit d'une voiture rouge. D'une voiture. J'ai tout fait en rouge, mince. Un homme conduit une voiture rouge qui fume. Qui fume. Le petit détail en plus. Alors, on a gardé le concept qu'il y avait un être humain sur la scène. Alors, plus jamais. Plus jamais ouais. Le secret. Ah, trop ouais, chaud, c'est, ouais. C'est nouveau, mais c'est fini. Les chansons. Oh, pas maintenant, les chansons. Ah, on peut réfléchir à nos thèmes avant. Les chansons, c'est notre... C'est le Saint Graal. Les pubs. Allez. Oh, les pubs. Allez. Oh, bordel. Oh là, une pub. Comment si tu regardes pas la télé? Ben, j'en connais pas. Des pubs de ton enfance, je sais pas, est-ce que tu regardes la télé quand tu étais gamin? Sinon, moi, je vous dis que je peux pas aller au Yémen, je suis pas analyste financier, mais sorti de ça. Putain, la référence. Waouh, incroyable. Ouais, moi, pub, je l'ai. Attends, laisse-moi. Je pense. Je réfléchis. Ouais, c'est bonjour. Dans les pubs. Oh putain, si, moi j'en ai une. Ah, j'en ai pas. Ouais. J'en ai juste une, je crois. J'en ai... Alors, moi j'ai une question. Combien ont pensé à la pub pour l'Orange Nez Rouge? Je connais pas. Oh, parce que. Pourquoi est-il aussi méchant? Ah oui. Parce que. Même joueur joue encore. Ça, c'est l'Orange Nez normal, mais. En fait, je me suis tiré une balle dans le pied parce que bon, là, je vais en sortir une, mais je pourrais pas faire la suite, quoi. Bah, le truc, c'est qu'en fait, enfin, je vais pas dire beaucoup plus jeune, mais t'es un peu plus jeune que nous, mais et du coup, on n'a pas les mêmes références parce que je pense que plus grand monde regarde la télé maintenant. Ouais, c'est ça. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir YouTube tout de suite. J'hésite entre une pub des années 90 ou une pub des années 2000. Non, mais moi, c'est bon, hein, vous pouvez lancer. Moi, je vais proposer une pub cryptique déjà de base. Allez.
Moi, je vais faire la seule pub que je peux dessiner. Mais je suis con, c'est pas moi qui la dessine. Mais oui, tu dessines pas, là. On est resté sur le thème caché. Ah merde, pardon. On annule et on reprend. On annule, ouais. Comment on fait? Ouais, parce que... Comment on fait pour l'annuler? F5. Ah non. Ah. Si, tu es F5 et... C'est celui qui peut pas faire F5 parce que moi j'ai pas de... Ah bon, je vois, du coup il y aura un nouveau lien. Je suis désolé, veuillez m'excuser. Oh, non, je corrige ça de suite. Je propose de le faire en caché. Hein. Non. Non. Ah non, bah non. Je en caché, merci. Voilà, vous avez le lien. De... Patientez, il faudra pour que j'arrive. Téléphone sonne. Pardon. Tac. Le truc qui dessine quand même pour faire leur pub, c'est un caca. Quoi? Quoi? Pour ceux qui sont encore dans la game d'avant, faites F5 pour la quitter et prenez le nouveau lien. Est-ce que je suis toute seule dans ma... Ok. Oui. Alors, qu'est-ce que je Il fais manque Artrand et Ocampo du coup. Les deux boulets du bout du monde. Mais non, vous êtes juste à de la Bretagne. Oh, vous êtes pas tant que ça au bout du monde. Oh, ok. Ouais, je... Oui, Rim. Non, rien, j'ai un gros doute, je sais pas comment changer ma phrase pour la truc, mais on va voir. On verra la culture une fois de plus. Alors du coup, on donne le nom du produit ou... Moi, j'ai pas mis la marque, j'ai fait une phrase. J'ai juste fait une phrase. Moi, je mets les deux. Ouais, moi, j'étais obligé de faire un truc un peu plus... Cette fois, je dans le... Ok, j'ai l'impression que tu vois une souris chez toi qui passe devant le nez. Moi, j'adore les souris. Ah, mais non, je fais une faute. Oh là là. Ça promet d'être rigolo aussi, ouais. Oh putain, comment je dessine ça, moi? Ça fait drôle de voir ce qu'on dessine. Ouais, on peut être plus précis maintenant. Ouais, je sais pas si c'est mieux pour moi. J'avoue. Alors, n'écrivez pas la marque dans vos dessins, bien sûr. Ah, logo peut-être. Logo, ouais. Mais sans lettres. Pas facile. Ah merde, mon logo, il y a que des lettres. Bah faut faire des hiéroglyphes. Ah, faut chercher dans l'identité graphique du machin. Voilà. Vous savez quand même que depuis qu'on joue à ce jeu-là, je savais pas qu'il y avait le pot de peinture pour dessiner. Moi, j'ai pas la ref, donc. Du coup, YouTube m'a lancé le pudding à l'arsenic. C'est pas une pub, ça. Et un peu de sucre en poudre. Et un peu de vitriol. Oh. Ah, oui. Et un peu de poivre en grain. Je sais pas si... Ouais, ça ira. Bon, par contre, Jake, on est bien d'accord, on peut simuler des écritures sans marquer ce que c'était écrit à l'origine dans le logo. Ouais. Oui. En hiéroglyphe. Oui, voilà. Oui. Putain, maintenant j'ai la musique de l'arsenic dans la tête. Bah moi j'ai dans les oreilles, hein. T'inquiète pas. Quand l'appétit bat, tout va. Quand l'appétit bat, tout va. Un bon repas sans fromage. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? J'ai pas la ref. Ouais, moi non plus. Moi non plus.
Je fais des recherches très bizarres sur Google Images. Oh, moi aussi. Je pense que la personne qui est tombée sur mon dessin a dû galérer. Pourtant, il y a une ref dans le dessin. Putain, je l'ai compris, mais... Oh mince, c'est quoi le logo de ça? Oh, comment je vais Google devoir... Image. Non. Ah non, mais je dois vraiment dessiner ça, mais en mode safe for work, là. Ah, yeah, normalement, on ne fait que du safe for work. Hein. Du quoi? On n'est pas en PEGI 18, ni pas trop 16 non plus. Ouais, ouais, non, mais comment je vais dessiner ça? Ouais, c'est une bonne question. On est passé sur Mary Poppins, hein, pour info. Oui, donc on est loin de la publicité, du coup. Oh mince, du coup, je pense à une pub maintenant. Oh mince, j'aurais dû mettre ça. J'espère que quelqu'un l'a mis. En fait, ça a fini en logo de marque. Bah, ouais, bah, pub, logo de marque. Ouais. Bah, la pub, il y a plus d'action qu'un logo de marque, du coup. Mais oui, du coup. Mais après, est-ce que Marc fait des jolis logos? Ça dépend s'il se prend des abonnés ou pas. Voilà. Bon, moi, perso, j'achète pas, mais bon, pourquoi pas. Matina, coulé la matina, coulé la... Un morceau de sucre. Oh, du coup, je me demande comment la voix va lire. Mal. J'ai du mal à comprendre le truc, moi. Non, ça va mal finir, ce truc. Hein. Très, très mal finir. Bah, je veux dire, c'est pas cool. C'est... Je sais pas. Moi, j'ai essayé de meubler un peu, mais... Oh, mon Dieu, ça va très tellement mal finir. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah! Comment ça s'appelle? Je connais pas le nom, le vrai nom. Je ne l'ai pas du tout. Ah, oui. Tout le monde va croire que c'est moi, cette idée. Ah, ça n'a pas écrit! Moi, j'ai sur le bouton! Je note que mon bonhomme, il est très content. Moi, je sais pas du tout, là. Moi, je suis content, je pense avoir deviné. Moi, je dois avouer que j'ai eu les idées hyper mal placées avant. Oh. Ah, bon, bah. Ah. Je suis désolé pour ceux qui m'attendent. Ah. J'ai pas la ref. Doum, 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 doum. Ah, bah, ça a l'air d'être resté dans la tête, hein, de certains. Doum, 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 doum. Je vais sortir. Je note, la personne se reconnaîtra que je suis en train de dessiner l'animal. L'animal. Je sais de quoi. Je sais de quoi. Tu es remis ours derrière. Oh, je vais faire un test. Est-ce que j'ai le temps? Non, j'ai le temps. Sport. C'est incroyable ce dessin. Qu'est-ce que je dessine ça, moi? Oh, punaise. Non, mais Mary Poppins, je vais pas te faire tout le film. J'ai vraiment pas la ref de ça.
Ouais, ça craint. Et un peu de vitriol. J'ai mis de la pub moi en tête. Je me suis trop bien. Et ben moi c'est peut-être le dessin le moins moche que j'ai fait depuis le début. Fait qu'à voir. Trop chiant à dessiner. J'ai pas dit que c'était le plus compréhensible. On est au stade 6 et il n'y a plus un seul nom de produit. Salut Draken sur le chat. Oh bien joué. Oh magnifique ce dessin, j'aime beaucoup. Ah ouais, ça va m'aider ça. Bah écoute, ça veut rien dire, ça n'a rien à voir. Pas le rapport avec la marque. Celui-là était facile à deviner pour le coup. Ça va, le mien est facile aussi. Pardon. Ah oui, je comprends l'histoire du logo avec, avec des lettres dedans. Mais comment tu veux que je dessine ça, moi? Comment je vais faire ça? Je connais même pas le logo de ça. Tac. Combien de temps? Ouais, on va faire un truc comme ça. Hein. Incroyable. Ouais, plus de merde, hein. Je crois que je me suis gouré, j'ai fait carrément autre chose, mais tant pis. Ça arrive. Ah, ouais. Si même moi, en voyant mon dessin, j'arrive pas à deviner ce que j'ai fait, c'est quand même grave. Oui, en effet, ouais. Un détail. Ça va pas aider les autres en tout cas. Quelqu'un sonnera ta place. Oh oui, j'adore. Ah, je bien. Vois. C'est ça. Bah, moi j'ai le nom de la marque. Ah, moi je l'ai pas du tout. Aïe. Qu'est-ce que ça peut être ça? Okay. Je pense qu'il y en a qui sont restés jusqu'à la fin, il y en a qui se sont perdus très 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 vite. Ouais. Ouais, je pense aussi. Je pense que le mien s'est perdu, celui que je donne au début s'est perdu vite. Hein. Très précis. Genre je pense que par exemple le mien il s'est perdu dès le premier. Le mien je pense qu'il s'est perdu assez vite aussi. Mais... voilà. Oh oui, bah c'est gardé. Oh. C'est bon. Bon. Il est resté, ouais. Ouais. Oh putain, incroyable, les marmottes à voix exceptionnelle.
Ouais, parce que moi j'ai failli dire que Chewbacca. Je m'excuse. T'étais encore en aveugle, toi? Honnêtement, ça m'évoque l'espèce de monstre souris géant à la fin du premier Fievel. Oh oui! C'est vieux, ça, Fievel. Mais oui, alors là, je me rends compte que j'ai dessiné Chewbacca. Ouais. Ah oui. Elle parle plus la voix. Mais bien sûr. Effectivement, il n'y a plus la voix. Oui, j'ai oublié de la remettre. Ah bah tant mieux. Putain, je te déteste. Oh, c'est tellement précis. Ouais, c'est tellement précis, c'est dommage. On garde l'esprit, mais. Le pas est reconnaissable quand même. Putain, heureusement, j'ai dessiné le bon logo. Propre. Oh putain. Heureusement, j'ai réussi à faire le bon logo. Mais j'ai commencé à dessiner le logo de la PS2, c'est le truc avec les formes bien rectangulaires, et on m'a dit non, il faut pas dessiner le. Faut non, pas mais mettre le nom. Faire un canapé avec un homme canard, ah, un homme momie, et je sais plus quoi dans le logo. Ah non, bah, par contre. Bah, le logo. Du coup, c'est la première qui est restée. On est parti sur la première, c'est ça. Pas mal. Première génération, le mec, c'est pas la PS2. Attention. C'est la première. Bras, dans le même truc, ça va. C'est ça. Alors là. Non, j'ai jamais vu ça. J'avais moi non pas plus. La ref pour le coup. Ah, pas non, regardez bien. Aïe, 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 aïe. Ah, oui, d'accord. C'est oui, c'est peu... là que j'ai dit que ça allait. Ah, d'accord. Oh là là, c'est perdu. Ah ouais. Ça se met dans l'autre sens, en supposition. Oh, bien. Ouais. Oui, ça se met. Ouais. Le gros bout d'abord. T'as pas voulu mettre du sang bleu comme dans les pubs de tampons? Ou de serviettes? Ah, c'était ça! Une grille d'égout! Tellement de pragmatisme! Rimfire trop innocent. C'est... Ah, ça c'était chaud! Il y a des infos qui se sont perdues. Ah, ouais, mais là c'était trop dur! Ah putain, c'était celle-là! Ouais! Ouais! Ouais, j'ai. Je suis bien rouge! Moi j'aime bien, il y a beaucoup de points d'interrogation. Ah bah là, ouais, il y a beaucoup de. Non, ça montre qu'on n'est pas dans les. Oui, on dirait Jinko. C'est intéressant. Conflit des marques. J'ai juste mis une montagne parce qu'il y a toujours des paysages de dingue derrière les machins. Dans toutes les pubs de bagnoles. Oui, ouais. Voilà. Ouais. Sur toute la crise en montagne. Une personne qui a fait de faute. Si, moi. À la marque. Moi. Ah bon? Oui, ah oui, il y a pas de projet à Volkswagen. Ah oui, Volkswagen. La voiture du peuple. Volk, eine Reich, eine. Non, je vais arrêter là. Oui. Non, du bon, Vous voulez rire sur ça? Mm-hmm. Parce que je l'ai vu, ouais. J'ai dit, oh, petit bateau. Et après, je me suis dit, non, ils connaissent pas les fringues pour enfants. Donc, j'ai cherché une marque de thon, mais j'ai pas trouvé. Ah, petit navire. Hein. Ouais, c'est petit navire. Hein, ouais, mais c'est pas jaune. Du coup, j'ai remis petit bateau. Ah, c'est du coup, resté, mais pas pour les bonnes raisons. Il va trop. Je peux entendre cette phrase. Ah, ouais. Oh, même toi, tu l'as. Bah oui. Attends. Incroyable. Comment on l'a emmené, hein. Du tout négligé. Enfin... Ah. Putain, c'est le bonhomme vert. C'était trop beau, le bonhomme vert. Parce qu'il a un vrai nom. Trop bien. Ah oui, il a un prénom, il s'appelle Crédito. Je savais pas. Oh, sérieux. On a bien eu foutu, il faut avoir Crédito quand même. X. Oh merde. On s'est gardé, ça va. Oh putain, il est mort à l'intérieur. Oh là 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 là. On bien voilé son âme et son contour. Ah mais. Bravo, Imra. Je suis d'Artron, j'ai pensé à la plus récente où ce mec est déguisé. On doit essayer de le dessiner avec les formes. Ouais. Il y a la texture poil qui est là, c'est bien. Pas mal, ça fait vraiment gazon. À propos de gazon, je suis désolé. L'hygiène. Ah bah, c'est trop dur. Alors, pour le coup, du bon jardin, ça pousse bien. J'avais aucune autre idée de produit en fait pour les végétaux. Je sais même pas quoi c'est parti ce truc là. Moi, ça m'a trop bien. Ah oui. Je sais pas, une plante. Il y a même les éclaircissements et tout, et les ombrages, incroyable. Pas mal et tout. Franchement, beau, joli. Ouais, je m'ennuyais. Mais
Mais oui. C'était quoi au début? Ah oui, une pub pour... D'accord. Fertilisant. Voilà. Fertilisant, c'est un peu dévié, quoi. Ah. Dans mon enfant. C'est quoi la carte qui... Mais si, c'est possible. Je ne savais pas. C'est possible avec la carte. Je voyais la pub, mais impossible. Mais si, c'est possible avec la carte qui... Oui. Fond de moi, c'est parti en couille. Hein. C'est moi. Et c'est après que je suis parti sur le Pounig à l'arsenic, hein, pour info. Non, mon kiwi. C'est devenu pizza. Non, c'est... SNCF. SNCF, on est retombé dessus. Hein. C'est incroyable en vrai. YTCB. Alors maintenant, c'est quoi le sens de YTCB? Ouais. Aucun. J'ai marqué au hasard des lettres. Sauf que le C, du coup, c'était à la bonne place, donc c'est pas juste. Oh, ouais, enfin, vu la gueule du fait que c'est à la bonne place, en fait, c'est encore plus déconcertant. Oui, celui-là. C'est gardé. C'était. Ah, putain, c'est gardé c'était fort, hein. Ah, là, il s'est perdu. 3 fois. Ah, ouais, après, là. Oh, tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu. Si on... il y avait 3 morceaux. Ah, oui, parce qu'il le dit 3 fois. Voilà. bah, aïe, aïe, aïe. Trop de sang. Non, bleu, on a dit. Ouais, c'est vrai. C'est plus. Déjà. On a dit qu'on... comme dans la vraie vie, donc bleu. Ah, pardon. Ah. Aïe, 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 aïe. Hein? Mais. Alors, il y en a un qui va avoir des soucis s'il utilise ça en serviette hygiénique. Alors, Plague, il va falloir t'expliquer des choses. Ce n'est pas sale, ton corps change. Tout va bien se passer. Ouais, c'était chaud, hein, mais très cool le thème, vraiment. Hein. Ouais, mais en fait, c'est un gros problème, hein, qu'on a un peu moins sur les chansons, mais qu'on a un peu quand même, c'est le problème générationnel. Mm. Tout ça parce, ouais. Parce qu'on est trop jeune, quoi. Je suis le problème. Ben mais je représente 50% de la population mondiale, à moi toute seule. Oh, donc, Ah ouais, ah, c'est pas mal quand même. Je suis la seule nana. Oh. Et encore plus parce qu'il y a plus de naissances de filles et on meurt plus tard. Naissances de garçons. Non, il y a plus de filles. C'est pas 1,1 garçon pour une fille à peu près ? Non, c'est l'inverse. Oh, la proportion. I don't know. C'est l'inverse, il y a plus de femmes que d'hommes. Et en fait, ils meurent aussi plus facilement les hommes. Vous voulez faire un thème statistique ? C'est quoi la question? Tu refais un thème pub? Non, t'as raison, 105 garçons pour 100 filles, mais c'est que vous mourrez plus vite parce que vous faites plus les andouilles. c'est vous faites des métiers plus à risque et vous faites la guerre. Et... Mais ça va changer dans quelques années, de toute façon. Oui. Mais on va fumer. Bref. On se referait pas émission télé qu'on a fait la semaine dernière, un truc comme ça? Là, il y a aussi un problème générationnel, mais on peut essayer. Si on l'aura sur le temps. On peut faire émission télé, mais on évite de mettre 2 fois le maillon faible. Oui. Ah oui, c'est vrai. Donc, t'auras ceux qui mettront, je sais pas, moi, il y a quoi qui passe à la télé actuellement. J'en ai un, j'espère franchement que c'est le gars qui va tomber dessus. Parce que c'est jamais... J'ai une meilleure idée. J'en ai une, moi, c'est bon. Je suis en train d'essayer de trouver ceux que j'ai... qui sont pas passés la semaine dernière. La semaine dernière, on a eu droit au maillon faible, à prendre ou à laisser, des chiffres et des lettres. La pyramide. Pyramide. Yoda. Même pas de TP. Ah, le Big Deal. Le fameux Big Deal. On a eu droit au Big Deal. Ah oui, j'ai eu le retour du Big Deal, c'était. C'était beau. C'était Yoda, Yoda qui faisait je sais plus quoi. Il y a eu les boîtes. Après, on va laisser. Ah oui, bah pardon. Bon, bah vas-y. Allez. Enfin, moi, c'est bon. Et si on prend champion, je crois déjà. Ouais, il est passé. Ouais. Oh, l'idée. J'ai pas d'idée. Oui. Il y a eu la cible. Il y a eu la cible, ouais. Je veux dire, les émissions télé, je pense pas qu'elles soient en nombre illimité. Bon, de quoi faire quand même. J'ai pas d'idée. Hein? Ouais, il y a beaucoup d'émissions. Moi, j'avoue, j'ai un peu dévié, mais... J'espère que tu vas parler sur moi, Benoît. Tu vas me maudire, si c'est toi. Ah, voilà, c'est bon. J'ai plein d'idées. J'ai été conciliant, ça devrait être facile à faire, ça.
Moi je suis sûr que merde. Trop chou. Comment vous voulez que je dessine ça? Il y en a deux qui ont eu la même idée. Non. C'est quoi ça? Je sais même, je connais même pas. Google Mais c'est impossible image. À dessiner, c'est une émission tellement variée. Ah bah je crois que t'as la mienne. À tes souhaits. Pardon. Je, ouais, je sais pas ce que c'est. Je peux faire le logo de l'émission ou pas? Bien sûr que tu peux. Ouais. Bon par contre, c'est beaucoup de lettres. C'est donc beaucoup de hiéroglyphes. Oh la vache. Bah dis donc. Ça veut plus. Ouais. Non, il y a un trou. Punaise de peau de peinture. Dites-moi que ça vous arrive aussi. Ah, ça m'arrive plein de fois de me tromper d'outil. C'est assez chiant d'ailleurs. Putain, désolé. Bon, à tes souhaits. Attraper un rhume. T'as terrible, trop de plantes chez toi. Hein. Quoi? Non, rien. C'est le pollen. Pardon. Ah déjà. Un bonnet, dit Yakipon sur le chat. Oui, j'ai un épi, ça me plaît pas. Puis j'ai froid. Faudrait que j'aille voir pour savoir à quoi tu ressembles. Non. Bah, tu as fait le loup-garou en dessin, voilà, je ressemble à ça. C'est vrai. Tu veux dire que t'es poilu et t'as les dents pointues? Ouais, c'est dans ma tête. C'est totalement ça. C'est pas sexy. Ah, c'est sûr qu'elle chaîne, ça s'était passé. Ah, encore heureux que c'est pas la casquette. Eh oh, n'insulte pas mon papy, Yakipon, oh. Ah. Il a fait la résistance. Ah, papy. Oh. C'est une casquette qui a 4 générations. J'ai fait un détail pour trouver le présentateur de l'émission en question. Oula. Un détail pour le présentateur de l'émission en question. Alors, ça veut dire que c'est un détail très spécifique. Est-ce qu'il a une écharpe rouge? Christophe Barbier. Alors, il n'y a pas le droit d'écrire en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Même si c'est le logo. Ou alors c'est une émission plus proche. Putain, j'ai pas la référence. C'est quoi? Oh putain, comment elle s'appelle cette émission? Peut-être ça. C'est sur deux jeux. Alors, je suis en train de marquer un truc, mais je pense pas que ce soit ça. Non, c'est émission. Pas du tout l'émission. Alors non, c'est pas pour le côté breton, le bonnet, sinon j'aurais mis celui-là, les gens. Ah! Une émission. Ah, Yakipon, c'est pas moi qui l'ai écrit. Cette émission est pour toi. Et voilà. Je sais. C'était un clin d'œil que j'ai fait. Pas d'idée. Oh putain. Bah alors, vaut mieux rien écrire. Alors, comment je vais faire ça? Dans mon souvenir. Je me suis repassé pour ce dessin. Je suis en train de battre tous mes records. Je vais cramer tout le temps qu'il y a, je m'en fous. Non, ça va pas. Encore une fois, ça paraissait plus classe dans ma tête. C'est quoi qui... Ouais, c'est... Je sais pas. C'était une émission. À quoi vous avez pu penser, je sais même pas. C'est un truc comme ça. Voilà. Voilà. Je suis content. Alors, je balance, c'est Imra qui a écrit ça, Yakipon. Il a assumé. Ah, j'assume complètement, mon cher Yaki. Ah oh. Là, il va me haïr. Moi, je fais littéral.
On va faire ce qu'on peut, déjà, c'est déjà pas mal. Moi, je sais littéralement pas ce qui est indiqué dans le... dans ce qui est marqué, parce que j'ai pas la... Parce que je sais pas, c'est difficile à dessiner. C'est... Ouais. Ouais, moi, c'est compliqué de dessiner, là. Oh là là. Que j'ai... J'ai littéralement fait une enfance sans télé, moi, je vous le dis. Hein. Plein de trucs que j'ai pas suivi, moi. Oh, j'ai failli la faire celle-là. Ah, ah oui, ah, c'est trop bien ce dessin. Enfin, c'est génial. Je l'ai pas, moi là. Incroyable, GG. Hein. Oh, ça y est, je l'ai. Je l'ai pas non plus. Moi, j'ai juste une télé. Bah, avec une télé, ça t'as, au moins... je sais pas. T'as au moins deux émissions avec une télé. Oh putain. Je viens de le capter et grâce aux détails du mec de gauche, le mec se reconnaît. Le mec qui a dessiné se reconnaîtra. Je pense savoir, oui. Oui, oui. Oh non! On a le droit à aucun texte, hein, c'est bien ça. Ouais. Non, je crois que je suis merdé à un moment donné, mais... Mais... Oh, ma passion là. Quoi? Je remercie celui qui a choisi ça parce que là je vis ma meilleure vie. Mais quoi? Pourquoi Google Images il est pas d'accord avec lui-même? Ça arrive. Et je dessine quoi? Ah, putain, comment il s'appelle? Qui c'est qui a produit ça? Terminé. Bon, ok. Ok, ok. C'est pas facile, hein. Comment je peux faire ça, moi? Le prochain va me détester. Ça promet. Déjà, t'as pas confiance à ton dessin. C'est un article putaclic. Un truc d'hôpital, c'est ça? Oh yo yo yeah. Je viens de faire les meilleurs bonhommes bâtons de l'univers. Oh t'inquiète. Wow. Oh. Oh easy. Oh, ouais. Oh putain. Alors celui-là. Attends, c'est... J'ai un doute. Oh, si je me trompe, je vais faire taper sur les doigts. Il était la semaine dernière, celui-là. J'en ai pas eu encore qu'il y avait la semaine dernière, moi. Ah, putain. Non, j'ai pas vu non plus. Il y a bien un qui est en double. Hein. Ah bon? Ah oui. Il a dû se perdre très 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 vite. Il a dû sauter, qu'est-ce que c'est ça? Ah. What? Oh mais c'est impossible par contre là. Attends. Ne t'étouffe pas, Rim. J'essaye. Tiens bon, c'est bien. Tout va bien se passer. Je fais du littéral depuis tout à l'heure. Ah mais il marche bien ton littéral, hein. Ah ouais? Du coup, je me mets aussi. Terrible.
Oh, j'ai tenté un truc. J'ai fait pas un seul trait. Sans oh. forme. Oh là là. T'as fait aucun trait sans forme. Oh, le temps de dessiner, oh mon dieu, elle fait peur. Elle fait peur, madame. J'ai pas encore de doublon, moi. Moi non plus. Bon, c'est qu'il y en a un qui s'est perdu, alors. Très certainement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est pas faux. Je serais certain qu'il y a un doublon, vu que en fait, j'ai eu en premier truc à dessiner le truc que j'ai écrit, en fait. Oui, ah oui. Donc, je confirme, il s'est perdu. C'est sur quelle chaîne, ça ? Probablement sur le service public. Bah non, justement, j'ai un gros doute. Ok. On n'a pas le droit d'écrire, on a dit. Non. Incroyable. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas le droit d'écrire. Merde. Fuck ! Si vous écrivez le nom du truc. Bah moi, j'ai encore mon dessin. Ah, oh, génial ! Oh. Incroyable. Oh, ça y est, je l'ai. Pour Olivier... Mention spéciale pour Olivier Mine qui est plutôt bien fait. Bah, j'ai pas vu de doublon. Hein. Attends, Olivier Mine, il était au bout. Bah, au moins une fois. J'ai pas vu de doublon et ça me fait peur. C'est... Pour le coup, j'ai fait du coup l'acolyte qui est à côté d'Olivier Mine et je me suis pour donner l'impression de taille. Fais gaffe que ton Fort Boyard ressemble à une cuvette. Oh merde. Ah bah il y a eu un. Pourquoi on est manège avec Nelson Montfort. Alors je préviens, je suis une brêle en émission, je n'ai presque télé aucune ref. Ah bah celui-là était perdu. Ouais. Ah ouais. Oh, oui. William Lémergie. Pac-Man. Une présentation de jeux vidéo. Et bien sûr. Ah bah oui, Pac-Man. Je l'avais pas avec Pac-Man. Il chante Pac, je n'ai que de Pac-Man. Oh, c'est à cause de ça. Ronde comme un ballon. Je le sais, mais j'ai pas fait le lien. Ah, oh, ça comme un citron. C'est quoi, c'est le logo de Game One ? De Level One, ouais, l'émission de Game One qui présente les jeux vidéo. English. Le logo de Level One, l'original. The Wall. Bah, c'est un des chercher ça. Que... Ah ouais, voilà, c'est mis. Vous êtes parti loin là. C'est d'interrogation. Faut rien mettre quand c'est comme ça, parce que sinon la personne d'après n'a rien. Qui est qui ? Ah, il est pas resté. Club Dorothée. Oh. Ça c'est resté par contre. Oh putain. Oh bien. Corbier à la dernière. Club Dorothée. Vache, il est beau ce Corbier. Oh les merguez, la merguez. Merguez partie, oui. C'est la merguez. Merguez partie. En cas de la braise, c'est pas le fini. À la fin, oui. Il manquait juste le grand nez pointu à reprendre pour bien la reconnaître, Dorothée. Bah, en fait, j'ai vu le club s'effacer. Et bah, Télématin, oui, on a petit point. Oh. Ah oui, donc Télématin s'est perdu deux fois. Oh, pas mal ça, pas mal. Itération. Une émission. Ah. J'ai pas la... Ah, voilà. Ah ouais. Du coup, voilà, pareil. Lags, on est connecté. Une télé, mais j'ai pas l'art. J'ai aucune rêve des émissions, presque. J'ai dessiné des télés cathodiques, hein, quand même. J'ai passé une enfance sans émission, moi. Les enfants de la TV. Ah. C'est vrai que... T'attends. C'est défendant. Les enfants de la télé. Sur une demi-balance, en fait. La manif pour tous dans la télé. Ah non, c'est pas ça. Tournée manif. Ah, une maman. Il est resté assez loin celui-là. Il est resté. Il est resté lui quand même. Je sais pas si c'était sur TF1 par contre. Manège. Si, j'ai vérifié. C'était TF1. Pourquoi Nelson Montfort ? Une triplette au tennis quoi. SDSA, t'es incroyable. Hein. Oh, c'est mignon. Ah ouais. C'est trop mignon. Tournée manège. Ouais, mais ça fonctionne. On le retrouve. Trop bien. Ah, GG. Moi, je... Ah, mais c'est ça. Il est ce que tu bais.
Ouais, ouais, j'allais dire Japon. Ah, c'est ça. Tourner manège. On est passé de avec un petit point des inconnus, mais le tourner manège est revenu. Hein. Il y a un manège, j'avoue. Mais du coup, j'avais hésité à faire un truc très sur les inconnus ou la télé des inconnus aussi. Ils avaient eu leur émission au moment. Ah, ça c'était plus dur. Ouais. Des racines et des ailes. Il est resté très fort. Il est resté, je pense, ouais. Bordel. Beaucoup de gens. Oui, là c'est. Ah, mais t'as qu'à l'écrire tant qu'à faire. Là, c'est ça. Des racines et des ailes. Je sais pas comment le faire. Bravo, Campo. Bravo. Bah, des racines et des ailes, voilà. J'aurais dû dessiner des racines et des ailes séparément. Des racines et des ailes. Je me suis gouré, moi d'ailleurs. Voilà, j'aurais dû faire comme Jack en fait. C'est des racines puis des ailes. Qu'est-ce que j'aurais dû y penser. Des terres et des ailes. Mais non, ouais, c'est... Oh, non, 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 bah si, non, c'est une plus forte la guerre. Je le savais que c'était ça. J'ai hésité. Je me suis dit, c'est tellement obscur, ça a duré un seul été, quoi. Je suis encore en train de chercher dans ma tête ce que j'ai vu. Je sais pas ce que c'est. Ça a duré un été avec Vincent Perrault sur la une, et juste après ou juste avant, t'avais la sitcom des To Be Free. Max Chou Patamou, c'était virtuellement un jeu de loi. Oui. Fort Boyard. Ben c'est plus, c'est plus le ce jeu du serpent et des échelles que le jeu de loi, quand même. Ouais, c'est un peu la même chose en réalité. Fort Boyard. Oui, il y a Tintin, le capitaine Haddock qui est Tintin, là. Alors, je tiens à préciser que j'ai volontairement fait Olivier Mine ultra stock. Il n'était pas comme en ça, ouais. On n'arrive jamais à dessiner capitaine Haddock et Tintin, et là. C'est pas sorcier. Il est resté. Celui-là était bien. Celui-là, il était facile à faire. Pour le rater, il fallait le faire. Et tout le monde a fait le générique ou c'est moi? C'est pas sorcier. Bah, c'est plus facile. Bah, c'est sorcier, hein. Connais pas le générique. Tu fais le canon, tu fais un truc écrit en bleu. Le générique, il y est toujours, en fait. C'est quoi ça en dessous? C'est pas sorcier. C'est le logo, mais... Mais je sais pas quand c'est pas censé. C'est un camping-car qui s'utilisait. Hein. C'est pas sorcier. C'est le logo imaginé par un médecin traitant, c'est ça l'idée. C'est sur ton ordinateur. Arte. Ça a pas de vaccination Covid. J'arrive pas à le resituer. Ah, c'était dur ça. Ah non, mais je l'ai foiré. Hein. Arte, ah, ça, parce que c'était. Moi. C'est parti sur quoi? Ça, je sais même pas sur quoi. Oh, t'inquiète. Alors... C'est pas les... N'oubliez pas les paroles. Raté. Ah. Oh putain. Oh, il est bien. Il est bien. Il est dessiné, machin là. Mais ça fait les jours une orange. Maquillage, maquillage. Question pour un champion. Bah oui. Question pour un champion. La fille jaune, ça fait tout. Hein. Ouais. Ah oui, la fille jaune. Domino Day. Ah, ça, c'est pas si heureux. Il allait assez loin celui-là. Ah bon? Oui, oui. Moi, je connaissais Domino. Pas. Domino. Une émission où pendant 2 heures, tu regardais des gens pousser des dominos. Plus de 2 heures. Non, au début, t'avais non, un mec qui faisait un dominé. Il faisait un domino. Et ensuite, un mec qui faisait un domino. Et après, tu regardais. Dans mes souvenirs. 1000, tes petits joueurs. Oui, il y a eu beaucoup de présentateurs de Domino Day. Je mets le fois 1000. Il y a eu Valérie Benaïm, Denis Brognard, Flavie Flamand et Dev. Domino Day. Il est allé loin. Bah, il est allé jusqu'au bout. Bah oui. Bon. Bah, et après coup, je me dis que tu mets l'Eurovision. Ouais. Attends, rime. Les chansons, au moins les chansons riment. Non, je peux pas. Oh. C'est 23h, c'est 23h à la maison. Ouais. Bisous. Bah, on te fait des bisous. Jake, à thème, je viens. Adieu. Allez, partons sur les chansons. Ou le thème jeu idéal. Pendant le thème, à mettre Jeux sans frontières. Ouh. Je vais te faire deviner.
dur celui-là. Ouais. Quoique, tu fais du Interville avec les drapeaux des Jeux Olympiques. Ça veut dire frontière un peu. Ah, mais c'est chaud quand même. Ouais. Spécifiquement les pays européens, je crois, par contre. Doucement, Jake. Du coup, jeux vidéo ou chanson? Chanson. Française. Ouais, alors, ouais. Chanson de variété française. Qu'est-ce qui a tombé? Beaucoup de choses. Il y a eu les chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Oui. Beau le lavabo. Beau le lavabo deux fois dans la même série. Les lacs du Connemara. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais j'ai pas de culture, j'ai tout foiré comme merde. Il y avait une chanson de Goldman dont c'était pas le titre, mais je sais plus. Ah oui, elle mettait du vieux pain. Ouais, c'était. Ouais, voilà. On a le droit de chanson parodique? Non. Mmh. Ouais. Faut passer ton bac, c'est ça que tu veux mettre? Non, j'avais des idées stupides, mais moi, tu sais, je connais pas les chansons. Des grands classiques de la chanson française. Tu peux mettre une chanson de Goldman ou une chanson de. Céline Dion, de Sardou. Là. De Renaud. Vite par procuration. Oui, enfin, si on met des chansons, faut alors écrire du texte au bout d'un moment aussi pour qu'on comprenne. Non. Non, mais ça marche, t'inquiète pas. Pas de texte. Ah, ça. Bon, alors. Attends, je vais te larguer de nouveau. C'est bon. Pour moi, c'est bon. J'en ai une. Pas moi. C'est bon, j'en ai une. Non. C'est même pas ce que je connais en variété française, en fait. Ah, c'est que variété française, pour le coup. J'en sais rien, je suppose. Hein. Pas de chanson anglaise, américaine ou quoi que ce soit. Ah. Ça, c'est trop dur. Ouais. Alors, attends. Vas-y, moi, c'est bon. Ça sera la last pour moi aussi, du coup. Ça marche. Je pense aussi. C'est bon. Et je tiens à préciser qu'une personne qui se reconnaîtra et qui est actuellement sur l'un des lives m'a soufflé la chanson. D'accord. Oh ça va bien se passer. C'est bon pour faut tout le monde faire peur, là. Bou. Mr. Green, c'est bon, je lance. Oui. Vas-y. Oui. Mais casse pas tout. Hein. Non. Moi, par contre, c'est moins sûr. Mouche religieuse à l'église. Voilà. Ça, c'est du classique de chez classique. On dirait un martien, mon bonhomme. C'est une tranche de pizza animée. Au bordel. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Je connais pas du tout. Au nom d'un chien. Je connais pas. Oh oui. Je peux pas le dessiner, je sais pas ce que c'est. Bon, bah, je peux tenter. Bah, fait littéraire. Comme je sais pas dessiner des visages, il n'y a pas d'autre chose que je sais pas dessiner, mais je viens de dessiner le titre de la chanson et je me suis dit ouais, c'est peut-être pas assez précis, je vais chanter les paroles d'après, et là je me suis rappelé des paroles d'après et j'ai fait non, je ne dessinerai pas. Ah.
Par contre, niveau timer, c'est vachement court. Hein. C'est, ça va être très très chaud. Non, j'ai pas fini. Merde. Vite. Oh putain. Pardon ? Oh, ouais. Comment elle s'appelle ? Moi j'ai de l'art graphique là. Je vais espérer que c'est ça. Je note la personne qui a dessiné le chanteur. Et le pire, c'est qu'il est reconnaissable. Eh, c'est beau. C'est attends, attends. Ah non, je déteste la personne qui a mis ça. Non, pitié. D'accord. Ça va être épique, moi je vous le dis. Oh, je déteste la personne qui a choisi. C'est terrible. Vraiment, je. Ça doit être ça la chanson à ne pas. Leur système, attends, on va faire la main. Alors, je sais pas si c'est la bonne chanson, mais. Je ne sais pas moi non plus, je tente des choses et. Je... Voilà. C'est. C'est dégueulasse ce que j'ai fait. Oh là là, c'est pas possible. Je suis désolé. Ah, c'est chaud, hein. On est sûrement de la représentante. Hein ? D'accord, je crois que je l'ai. Pardon ? D'accord. Mais regarde pas. Oh. Je crois que j'ai eu ton dessin. Qu'est-ce que c'est ? J'avoue, c'est cheaté. Je sais pas du tout. Comment elle s'appelle celle-là? Oh là là. J'ai rien pu mettre. Pardon, j'ai rien pu mettre, je suis en train de chercher sur Google. Bah d'accord, bon bah je vais suivre. C'est vraiment une chanson? Je suis désolé pour ceux qui suivaient. Moi j'ai rien écrit donc. J'ai rien le temps de faire. Hop.
sais plus qui c'est. Ça. J'ai jamais le temps de tout dessiner, c'est terrible. Désolé pour le prochain, hein, je vais faire un dessin arrachant. J'ai jamais le temps. Très devinable. Je sais pas trop quoi faire sur ce thème là en fait. Enfin cette proposition là plutôt. J'ai terminé. Mais sans conviction. Je pense que t'as eu le mien en dos et je m'en excuse d'avance. J'ai rien eu le temps d'écrire. Ah non, j'ai pas rien. J'ai quelque chose, mais je savais pas que c'était une chanson. D'accord. Moi non plus. Je sais pas du tout. Ça me dit quelque chose, mais je l'ai pas en tête. Non, c'est là vraiment. Ah putain, nocé, ils ont pris tellement cher. C'est trop dur comme thème. Hein ? Oh, c'est qui ? Hein ? Le truc c'est que j'ai pas ça pareil, c'est trop récent pour moi quoi. J'ai pas le. J'ai pas l'air en tête non plus là. Vraiment pas. Quoi ? Ah, c'est anglais. Waouh, j'ai complètement déformé le truc, on t'en prie. Mais reste là, merci. Bah, de toute façon, c'est le dernier, hein. Y'a personne qui va deviner. Non. Ah bah tant mieux pour vous. Ouais parce que là j'ai Google le truc mais je suis vraiment pas sûr que ce soit là, ouais, là mon truc. C'était pas simple là. Trop dur. Moi c'est fini en les rois mages à Bamako là. Les rois mages à Bamako. Bamako. Alors je connais les rois mages dans Galilée, mais à Bamako par contre. Oh, Galilée. Bah oui. C'est un mix entre les. Avec le mariage à Bamako peut-être. Ils ont ouais, vas-y, voyager, j'abandonne. Hein. Oh, ça finit. Dimanche à Bamako. Ils ont voyagé, Jack, hein, les rois mages. Hein, tu vois, c'est vrai. Oh, les rois mages à Bamako. C'était le mariage tous les dimanches. J'adore les thèmes chansons. Ouais, plus jamais ça, j'ai pas les refs moi. Oh, c'est trop bien. J'ai pas les refs non plus. Il y en avait pas une seule que je connaissais dans celle que j'ai dessinée. Moi non plus. Il y en a au moins une que je pense connaître, mais la douleur quoi. Hé, hey, regarde. Sans déconner quoi.
Attention au carnage. Laissez-moi danser, Dalida. Oh, ah, c'est moi qui l'ai eu. Bah, moi, je l'ai pas eu. Ah, je pense que... Parole, parole, Dalida. Ah, presque. Ah, c'était ça. Dalida, elle a pris cher. Elle a pris cher. La place, vide, voilà. Oh non. J'étais en train d'essayer de Google le machin et... Je suis désolé. Ah, c'est Ralga qui l'a dit. Taïkon me. C'est le ennemi que t'as dessiné. Mais de toute façon, c'est des chansons françaises. Oui, j'ai oublié ça entre temps, moi. Aïe, aïe, aïe. L'apologie. Oh, bien. Mais il s'est perdu, mais. L'apologie de quoi c'est Ah oui, question. Bah si, je l'ai vu. Ah bah c'est bon, je l'ai vu. Mathmata. Spaghetti au petit pois. Spaghetti au petit pois. Non, mais. C'est quand tu veux faire deviner, en vrai, c'est impossible, non. C'est un gros bédou. Des spaghettis petits pois. Merci Bertrand, au moins une fille. Bah ouais, mais bordel quoi. Chanson italienne spaghetti. Comme tu dis, bordel. On est parti un peu loin, on va dire. Ah, complètement. Bon, le drapeau italien reste. Hein, donc, Ah, il est facile à faire celui-là. T'as pas besoin de le chercher sur Google normalement. Ilona Mitre s'attire, et ben un monde parfait. Un oiseau, un enfant, etc. Oh putain. Voilà, oh, ça je l'ai vu, je vous déteste. Hein. Un monde parfait, Ilona. Alors en fait, t'es obligé de le googler celui-là parce que je sais pas que ça semblait. Un monde parfait. Moi j'avoue que je me suis retourné pile à ce moment-là, du coup j'ai vu Google Images sur son écran. Sinon je l'avais pas. Moi le titre est resté, hein. Un on monde dirait. Parfait, Ilona Mitrocet. Et je vais balancer la personne qui m'a soufflé ça, c'est un certain Yakipon. Je te déteste cordialement. C'était ma chanson de gym. De gym. Chanteur. Des points balavoine. Ouais, parce que j'ai fait du sport. Ah merde. Ma vie. Salut moi c'est Je m'appelle Henri Balavoine. C'est le chanteur. Le titre ouais, est chanteur. Non, mais vache prêt, tout le monde comprend. Oh pas mal. Balavoine en poule rouge. Ton balavoine. Oh wow. Ok, ils sont pas trop balavoines, je trouve. Daniel Balavoine. Ah bah si. Oh. Et du coup, moi j'en ai dessiné une autre de Balavoine. Je ne sais pas. Ah bah oui. Un héros. Ah oui. Ah. Pas mal. Bah, le chanteur, c'est celle-là quoi. Ouvrez la cage aux oiseaux de Pierre Perret. Ah. Il magnifique Pierre Perret. Ouais. Ouvrez la cage aux oiseaux, Pierre Perret. Mais ton oiseau, faut l'achever là, non? Chut. Georges. Un mec qui s'appelle Georges dort, apparemment. Un igloo. Cage aux oiseaux. Pierre Franchement, merci parce que tu me sauves là. J'ai dû googler le truc, j'ai tapé cage aux oiseaux. Tu dois être au ralenti, mon pauvre. Chanson pour l'Auvergne. C'est pas C'est moi. Putain, la chanson est trop bien. Mais... Ouais, oui. Alors, du coup, on a changé de. Ouais, on a changé de région. Ouais, putain. Le Loir est cher. C'est qui? C'est Delpech, le chanteur? Oui, c'est Delpech. Oh. Alors, putain, les fleuves et tout, quoi. La moustache. La moustache, c'est sa moustache. Je suis désolé, mais c'est la moustache qui m'a induit en erreur. Ibra, c'est la France, ça. Bah non, ouais, c'est j'étais bon. Un peu drunk sur la fin. Ouais, putain, on dirait une carte dans l'Antiquité quand ils savaient pas suivre les côtes. Bah, à peu près, hein. Bah, écoute, c'est ma liberté de penser. Je l'ai pas vu, celle-là. Moi non plus. Moi non plus. Argent trop cher. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. C'est bon, je l'ai eu. Bien. Argent trop cher, quoi. Argent trop cher. Oh. Argent. Ouais, je sais pas. T'es chou. Alors, mais c'est une chanson de Tchoul. Oui, voilà. Ah merde. Voilà. J'ai cherché sur. Aïe, aïe, aïe.
J'ai cherché sur YouTube des sous-sous, ça m'a mis Joule, j'ai mis bon. Pour Plagues, c'est la version chinoise en 300 de Joule. Ouais, j'allais ouais. dire pourquoi est-ce qu'un Un, enfin, un dit Un avec un, une capuche, enfin, le chapeau russe, là, fait le film de Joule. Ouais. Non, pas une captcha, j'avoue. Chapka. Captcha, c'est sûr. Envole-moi. Il s'est perdu, je suis désolé. Alors, c'est, perdu, ouais. c'est ce que je disais. Le envole-moi, j'avais bien, mais j'avais pas envie de dessiner loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, ah. Gigi Goldman. C'est ouais. devenu quoi c'est je vois pas du tout. Content. C'est moi. C'est pas... Ah, ok. C'est censé être Jean-Jacques Goldman, ça. Ah ouais, là, j'ai. Ah ouais. Oui. Il y a plus cher. Ah oui, d'accord. Moi, vraiment, alors, chapeau, moi j'ai une grande question, c'est pourquoi quand Goldman il a un corbeau mort sur la tête. 1789, la Révolution française. C'est vraiment chapeau, ouais, chapeau Révolution, chapeau, ouais. On sent que t'as voulu reproduire la peinture célèbre, Jake, hein, pour le coup. Hein. La liberté. Non, mais du coup, je pensais à la comédie musicale, mais j'avais pas les titres. Sauf que le tableau de la croix, il n'a rien à voir avec la Révolution française de 89. Oui. Oh, le smile que vous m'avez fichu. C'est 1848, non Je suis un truc comme ça, oui. Voilà, après, la date exacte, mais c'est, ça n'a rien à voir. Je sais plus. 1830. On peut retourner en thème libre, s'il te plaît. Et j'ai pas entendu, répète. Si on en refait une, on peut retourner en thème libre, s'il te plaît. Tu voulais pas faire du jeu vidéo? Non, moi je m'arrête là pas. Donc ouais, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, Ando. Bonne soirée. Vous restez, vous en faites une dernière ou pas les... Oh, bien sûr, bien sûr, moi je reste. Oh, why not? C'est qui reste? Moi, je reste. Banco. On a encore 6 parce qu'il y a Ando qui est pas encore parti de. Ouais. On continue un peu. Hein. En espérant. C'est sur Discord, pardon. Oui, mais je suis pas encore parti de. Jean-Michel nul en. Bon, allez, une. Ok. Alors, 30, t'y vas du coup? Ouais, moi je file. Ok. Il va se brosser les dents, sinon ça bouchonne à la salle de bain. Non, je vais aller me poser pour lire surtout. Je me pose. Okay. Est-ce que vous voulez un thème en particulier? Libre. Libre, allez, thème liberté. Oh ouais! Non. Pas ça comme thème ça, liberté. C'est assez restreint en vrai. Liberté. Liberté, liberté, hein! Bon, ben, chien. Mais du coup, je peux plus faire la liberté de penser. Ouais, c'est dur en vrai. Ouais. J'avais un truc, mais non, c'est trop dur à faire. Non, soyez inspiré par ce que vous avez envie, c'est plus simple. Du coup, on fait quoi ? Ce que vous voulez. Ouais, est-ce qu'on... Ah d'accord, c'est libre. Oui, oui, quand je disais libre, c'est pas vraiment le thème de la liberté, genre tu vois, non, c'est genre chacun fait ce qu'il veut, quoi. Allez, vas-y. Dans les limites du raisonnable tout public, bien moi, sûr. Je fais un jeu de mots, perso. Ah, il est 23h25, hein. C'est bon. Pardon. Oh, on sent qu'il est tard, les gars. Viens, c'est le même type de jeu de merde. Jeu de mots en... Comment tu veux faire mais... J'ai eu un jeu de mots, mais je crois que c'est la compo, en fait. Bah, moi aussi, j'en ai eu un, donc ça doit être thématique. On voit qu'il est tard, en effet. Non. Je dessine mal, en plus je dessine pas ce que j'ai dans la tête, c'est encore pire. Ayez pitié. C'est quoi la pitié, ça se mange? C'est un dessert. Je suis en train de dessiner de la bouffe en plus.
Oh, le petit détail qui va carry la game, je suis sûr. Non, c'est pas ça. Oh là 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 là. Incroyable en vrai, je suis content de mon dessin. Je suis content de mon dessin aussi, mais l'info va se perdre forcément. Oh, il y a une info qui va rester, mais il y en a une qui va se perdre. Je pense que ça suit le même schéma pour moi. Oh là là, je sais pas comment faire. Ding ding ding. Quoi? Je... Mince. Non mais chacun a mis ce qu'il a vu en thème d'exemple ou bien? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On est juste tous bourrés, je pense. Ah bah complètement. Hein. Je suis sûr que j'ai reçu un truc de check. Bon, moi au moins ça va vite à dessiner. Je vais avoir un souci pour dessiner par contre là sur mes... Oh aïe aïe, c'est compliqué. Ok. Oh, c'est thématique pour l'instant. Compliqué, c'est ça, à faire. Très bien, mais compliqué. Ouais. Je sais pas. Désolé de ce que j'ai produit sur celui-là. Mais vraiment désolé. Mais genre affreusement désolé. Non, je m'arrête là. Ok, bon. Pas si mal, on va dire. Oh. C'est quoi? Thank you.
Oh oui. Ah. Quoi? Mais ça va pas, les gens. Trop dur, ça. J'aurai jamais le temps. Allons y croire. Ah, mais pour ça, c'est le dernier, vous n'avez pas deviné. Tant pis, je m'applique quand même. Hein. Pas de cardiaque. Hein. Je te le dis, on s'y habitue. C'est... Je suis vraiment désolé. Y'a pas de mal. Bon, messieurs, moi je vous souhaite une bonne nuit, je file. Bonne nuit, Mister. Adieu. Bonne nuit. Ciao. Tchou tchou. Ciao. Allez, bicolore. Dernier dessin du jour, on s'applique. À toi aussi. C'est plus ou moins la même chose chez moi, en fait. Moi, mais... c'est noir avec une touche de bleu. Moi, c'est fond bleu avec écriture et dessin en blanc. Ah, t'as dessiné des nuages ? Pas du tout. Si j'avais pu finir sur un truc plus joyeux, ça m'aurait arrangé, mais c'est pas grave. Je suis très triste que ce soit le dernier dessin parce que je suis très content de mon dessin. Alors, nous en profiterons pleinement lorsqu'il sera affiché lors de la découverte. C'est vrai. Moi, je dessine sur mes genoux et personne ne le voit. Mmh. Attention. Ah bah c'est déjà... Ok. Il y aura un prochain tour si vous le voulez. Ok. Oh, il y a Imagiro. Oui, c'est pour ça. Bonsoir. Coucou. Allez. La statue de la liberté n'est pas à New York. Je te déteste. Ça. La statue de la liberté, mais pas américaine. À la base, elle est française. Hein. Oui. C'est vrai. La statue de la liberté. Je me doutais qu'on allait perdre la fin. Ouais, c'est trop chaud. Même la statue de la liberté, elle est plus d'être devenue américaine. Une bière mise en bière. Ah putain, du coup, j'ai pas... C'est ouais. Le dernier truc que j'ai dit. Une mise en bière égale un enterrement au cas où tu vois pas. D'accord. Coup, ah, tu vois pas. Oh. Stylé, hein. L'enterrement d'un cercueil d'une personne chrétienne. Ah, c'est très bien. Oh. Voilà, j'ai fini ma soirée là-dessus. La tristesse, les larmes. Un mec rentre dans un café et plouf. Oh. C'était donc toi. Personnage tombant dans une tasse de café. Encore même. Oui, le vol plané. Un mec rentre dans un café, plouf. Le plouf est resté. Ah bah, c'est une histoire, ça fait partie de la blague. C'est l'histoire d'un mec qui... Je retiens qu'on est tous sur du mug, hein, quand même. Ouais. Bah, je bois pas de café, alors je saurais pas trop dire. Steak haché jouant à cache-cache. Toi aussi, c'est... Ah, je l'ai pas eu, lui. Non. Ah, d'accord, ok, je vois lequel on a eu. Tu vois. Oh, ah, oui. Un chou-fleur jouant à 123 soleils. Ah, c'était un chou-fleur. Ah. Un, deux, trois soleils. Il y a une rose. Une rose. Une rose. On va mettre du texte. On a chien. Une théière dansant la macarena. Ah, celui-là, c'est perdu. Oui, il s'est perdu. Ah, ouais, non. Oui, c'est vrai. Des Espagnols sensent autour d'une théière.
Il faut dodo. Sens. Du verbe sensé. Il fait dodo. Il faut aller dormir. Et mes personnages, ils font la vraie, ils font la vraie Macarena. Astérix, pourquoi le market en Astérix? Oh. Ah, il est trop bien. Avec le barde, j'apprécie. Après, le conseil du sanglier. Mais en plus, ils sont comme ça sur certains albums. Oui, oui. Les animaux olympiques. Ouais. Ouais, complètement. Hein. Ah, c'était compliqué, ça, honnêtement. Trop bien. Ah, les animaux olympiques. Alors, j'ai voulu faire un lion, on m'a dit que ça ressemblait à autre chose. Et je cherche quand même. C'est une araignée. C'est censé être un lion avec une crinière. J'ai pas eu le temps, c'était Babar sur la au jeu olympique. Le spot est très réussi, noté. Hein. Vous êtes trop fort. Allez, une petite dernière, du coup, il y a Imagero qui nous a rejoint. Allez. Par contre, okay. On laisse libre cours à la... Non, non. Il y a un thème. Non. J'ai plus de place sur mon genou. Attendez, mais j'ai plus de... J'ai pas de... Si on met un thème à cette heure-ci, ça va partir en couille pire qu'avant, en fait. C'est comme ça, ça part en couille. Ah, oh, c'est bon, j'ai un thème. Moi, j'ai pas. Je pense que pour moi, c'est bon. Mes aïeux. Bon. Ça devrait être bon. Allez. Allez. Ah, je sais. C'est globalement mieux d'être en groupe impair sur ce genre de jeu, vu que tu finis, oui, oui. Tu finis sur la phrase. Sur des trucs, c'est pour ça que je suis restée. Et parce que j'ai fini sur un cercueil. Il y a peut-être pas la même fin. Ouais, y a peut-être un mec qui a fait une histoire de génocide. Bah, je rejouerai. Jusqu'au bout de la nuit. J'ai une question bête, vous faites des rêves, vous ou pas? Des rêves. Oui, ça arrive. Oui. Ça arrive. What the fuck. Et est-ce qu'ils sont parfois beaucoup trop réalistes? Oui. 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 Complètement. Merci. Je me sens vachement moins seul. Y a pas de souci. C'est un plaisir de te soutenir en tout cas. Et des fois, c'est au point où j'allume la lumière et je pense avoir perdu un truc alors qu'en fait non. Ah non, mais du moi coup, des fois par terre si je l'ai pas perdu donc. Des fois, je fais ma journée et je me réveille et je fais putain, faut recommencer. Putain, j'ai le mode nuit sur mon téléphone, toutes les couleurs se ressemblent. C'est un massacre ce que je fais, c'est terrible. C'est sur téléphone, ça n'est pas dur. Ouais, putain. Putain. Comment tu... Merde. Zut alors. Merde. Oui, bah oui, bah moi du coup aussi. Diantre, fichtre, ça parle hypopète. Purée, ah. Ça m'a effacé mon dessin. Génial. C'est dur de faire des bonhommes bâtons autre chose que debout. Oh. J'avoue. Là, ça pourrait être mal interprété ce que je fais. Est-ce qu'il y a besoin de ça pour qu'on interprète mal les choses? Non, mais là, ça pourrait vraiment être mal interprété. Ça promet. Oh, ça va être drôle. Pourquoi j'ai voulu dessiner qu'avec des formes? Toutes les couleurs sont inversées. Inversées, carrément. Eh ben, il est en mode nuit. Attends. J'ai c'est pas le temps de dessiner la moitié du truc. Ah bah moi j'ai le temps de dessiner. C'était les trop détails. Précis le truc. Je suis désolé mais le dessin était beaucoup trop précis. Ah c'était peut-être moi. Non mais tu vas faire un effort, enfin. Ça va pas. J'ai failli me faire avoir sur un remplissage au pot de peinture avec un pixel qui n'était pas rempli dans le cadre. Classique. Trop mal dessiné, j'ai la honte. Non mais c'est pas possible. Papa était tellement mieux. Quoi?
Qu'est-ce que c'est que ça? What? Comment ça s'écrit? Avec un C. Bon courage à celui qui avait mon truc. Je sais pas. Ah, un gars, ça c'est un thème pour moi, ça. Ça c'est un thème pour moi. Mais ça va pas la tête. Ah, ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'on se dépasse à dessiner des trucs qu'on n'aurait jamais dessinés. Ah bah complètement. Hein. Là. Oh là là, va peut-être falloir le trucider lui. Paix à son âme hein, d'avance. Ouais non mais vous comprendrez. Enfin non d'ailleurs le prochain risque de ne pas comprendre. Ça. On est d'accord que le but c'est de pas écrire. Ouais, oui. C'est mieux. C'est l'histoire du mec qui décide de changer le détail important du dessin à un moment où il y a la sonnerie. C'est toujours important le détail. Fait pareil là. Je sais absolument pas ce que ça va donner à l'écran. Vous avez de l'humour ce soir les gars. Parce que d'habitude on en a pas, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Non, il y a que des blagues là. Convaincu, mais... Let's go. Oh bah alors là. Quoi? Pourquoi pas? Alors encore une fois, je suis désolé, mais les couleurs seront peut-être pas respectées. Possible de dessiner ce truc. Secours. Hop. Il a un cancer, lui, c'est pas possible. Voilà. Oh là là, j'ai trop mal sinon en petite noire. Prums!
tes souhaits. C'est quoi ça? Oh non. Oh. Tac. Putain, mais ça c'est trop mal. Voilà. Ah, il y a plus beaucoup de temps vite. J'avoue. Je vais passer sur ordi. Hein. Trop dur hein, à dessiner. C'est... Je suis sur téléphone jusqu'à maintenant. Mais là, mais je suis sur téléphone parce que sur téléphone j'ai un stylet. Sauf que comme je suis en mode nuit, ça inverse toutes les couleurs. Si tu vois, le noir et blanc, le rouge et je ne sais pas quoi. Il y a du vert, mais je sais pas ce que c'est. T'as foutu un mode daltonien dessus, c'est ça l'idée? Non, non, c'est le mode nuit qui inverse toutes les couleurs. Oh, quoi? Du coup, je sais pas si je dois inverser les couleurs de cette chose verte et rouge là. Non, faut pas inverser. Pas de quoi tu parles. En tout cas, il y a un truc vert et rouge qui se promène. Ah merde, j'ai compris. J'ai passé trop de temps sur une partie du dessin et la fin, il manquait du temps. D'où le fait que ce soit brouillon. Voyons voir ces atrocités. Les jeux vidéo en matière scolaire. Oh ah ouais. Putain. Oh Jake. Putain. École. Ah. Alors on joue tous. Distanciel. On joue tous à Pong avec ouais, une manette Xbox. Je veux voir comment ça finit ça. Ah. Ah ok. Une vidéo conférence sur PC. Conférence. Pourquoi mes points d'interrogation ils ont pas apparu? Réunion virtuelle okay. En ligne, type Skype. Team. T'es censé être du noir, je crois. Non, du blanc. Non. Bon, d'un chien, quoi. Il y en a un derrière son écran qui est AFK. On le voit en bas à droite là. Ouais. C'est non, la caméra est nulle. Il y a que sa tête. Il t'as reçu les photos. Sa Majesté le roi du bistro. Allô? Allô? Alors là. C'est le caisse dédié à Alga. Ah ouais, putain, c'est un disco. Tu sors des vieux trucs là. Le roi de la discothèque. Oh purée. Tu nous as sorti les couleurs combinées là. Épiphanie, fête des rois. Mais non. Écoute, j'ai la dalle, ok. Regarde pas la phrase de jeu. La galère des rois. Je viens de m'en rendre compte qu'effectivement la galette ressemble au faucon millénium. C'est plus un fromage, une galette. La grenouille de Crazy Frog fait oh des goûts. Oula. Alors toi je te déteste hein. Mais alors pour moi il n'avait qu'un choix. Pourquoi il y a quoi? En fait, j'ai fait un truc, ça l'a quitté. Du coup, j'ai dû le redessiner. Une rapartie. J'ai pensé à un truc, mais en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Bem, bem, ça va. Apéro Covid. J'avoue. Apéro Covid. Un cactus qui a peur de se faire piquer. Vacciné. Oh putain, c'était donc toi. Oh ah, no ah. Un cactus non. Qui se fait piquer. Incroyable. Après, c'est pas... Un cactus se fait piquer par une guêpe. Oh. Ah, c'est Cartman, le cactus, en fait. Il se fait piquer ouais. Par une guêpe. Un cactus qui s'est fait piquer par une guêpe. Bah, en vrai, ça va. Hein. Un trapéziste faisant une figure. Ah. Il y a le filet de sécurité. Un trapéziste rattrape, un autre trapéziste vole. Ça c'est chaud de ouf. Hein. Oh la vache. Oula, ah ouais. Le public, le. C'est pas seulement public. Le public, il a pris quand même. Il va falloir qu'on aille au cirque, Imra, c'est pas tout à fait ça. Peu près.
Là, ton mec se un suicide quand même. Un trapéziste fait un salto et se rate. Bravo. Ouais. C'est pas précisé qu'il te rate, mais bon. Il n'y a pas la profondeur. Là, non. Logiquement, il peut pas rattraper le deuxième trapèze. Un trapéziste, en fait. Hein? Quoi? Green. Alors, faire un trapéziste. Chez vous, il meurt. Chez moi, il survit. Tu sais, Green, quoi? Non, j'ai dit Green, parce qu'il avait pris la parole. Un chat se prélasse devant la fenêtre entre les plantes. Mmh. Oh. Un chat qui dort. C'est factuel. Concis. Oh, mais voilà, moi, c'est ça que je voulais faire comme dessin. Un joli chat tigré dort. Joli chat tigré. Mmh. Le chat du Cheshire, là, non? Le chat du Cheshire. Comment il s'appelle? J'avais oublié comment on écrit. J'ai oublié que Cheshire s'écrivait avec un S. J'ai voulu corriger et j'ai pas eu le temps. Cheshire. Terrible, terrible. Et c'est quoi le dernier truc? Yoshi qui lance des tartes à la. Alors, ça, je l'ai jamais eu. Je l'ai jamais eu. Moi, j'ai eu Yoshi. Ah, mais c'était le truc vert! Punaise. Yoshi préparant une pâte à crêpes pour un panda. Du coup, moi je croyais que c'était la grenouille de Crazy Frog, mais non. Oh, bien. Yoshi prépare des crêpes à un panda. Je sais pas si la phrase que j'ai écrite est restée. Il a combien de bras ton Yoshi? Les crêpes, une ninja font des crêpes. Des crêpes quoi? J'enlève ce dessin, il est horrible. Ce dernier dessin? Ah, il est horrible. Bon, allez, moi je m'arrête là. Ouais, bon, on va s'arrêter là. Allez, bonne nuit. C'est chouette. Bonne nuit, des bisous. Allez, adieu. Bonne soirée à ceux qui partent du Discord. Bonne soirée aux gens qui étaient sur le stream. C'est chouette. Prochain rendez-vous ici, côté Yvassand, demain soir. Soirée ciné pour ceux qui ont l'abonnement Prime. Et après, on verra. Pensez à vous abonner. Pensez à vous abonner chez Rimfire qui était en stream. Pensez à vous abonner côté Imra qui était en stream. Et également chez Mr. Green qui était en stream. On vous fait des bisous. Prenez soin de vous. Pensez à sortir avec vos masques, etc. Cordialement, bisous. Cordialement, bisous. Bon, si jamais tu refais une soirée comme ça, Jake. Mardi. Tous les mardis. Tous les mardis. D'accord, je note. Enfin, pas forcément sur du coup sur Gartic Phone, mais en ce moment, ouais, c'est du Gartic Phone. Bon, en tout cas, ça repart sur le Gartic Phone, je suis preneur.